Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta grâce. Herr, wir loben deinen Namen für deine Gnade. Merci pour ton amour, Seigneur, envers nous. Danke für deine Liebe, Herr, mein Gott. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Danke, Herr, für die Gnade, die du uns schenkst. Et nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Wir brauchen deine Gegenwart. Nous avons besoin de ton règne parmi nous, Papa. Wir brauchen deine nous te soumettons toutes nos pensées. Herrschaft unter uns und geben dir alle unsere Gedanken im Namen Joshua. Amen. Amen. Ah, Dieu est bon. Gott ist gut. Il nous surprend. Und überrascht uns. Il nous choque. Und schockiert uns. De voir tous ces visages aussi aujourd'hui, je suis. Und hier heute all diese Gesichter zu sehen. Voilà, surpris et voilà, il y a pas de mots. Bin ich überrascht und ich habe keine Worte. Je crois que on va, ce que je ressens dans mon cœur là, on va aller à Berlin la prochaine fois. Und ich glaube, wir werden nach Berlin gehen. Il y a des gens qui sont venus de Berlin, on m'a dit. Wow. Alléluia. Amen. Dieu est bon en Gott tout temps. Gut. Alle Zeit. Il a mis ce chant de louange à moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la vie. Dieu est bon. Dieu est bon. En tout temps, qui se louange à moi. Dieu est bon. En tout temps, à travers la lumière jaillit. Dieu est bon. Tout qui croit que Dieu est bon? Dieu est bon en tout temps. La mise chante de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. C'est la journée. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait. Et ça pour nous un sujet de joie. C'est la journée, c'est la journée que le Seigneur a fait. C'est ça pour nous un sujet de joie. C'est la journée. Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilandes. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, es ist Kraft, Kraft. Wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein. Es ist Kraft, Kraft, wunderbar. In dem Blut, im Blut, in dem Blut. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein. Halleluja. Gott ist gut. Dans le sang. Jésus, je suis fort, sois plus, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur.
que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. Dieu est bon. Est-ce que vous l'aimez? Liebt ihr Gott? Wow. Wow. Halleluja, gloria Yeshua. Halleluja, Ehre sei Yeshua. Nous avons besoin de sa présence. Wir brauchen seine Gegenwart. All together. All together. We love you, Lord, my God. All together. Wonderful to me. We worship. Here I am to bow down. Here I am to say. Nicht anbeten, Herr. Wie dich nicht lieben, Herr. Halleluja.
brauchen dich, Herr. Du bist heilig. Heilig, 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 heilig. Ehre sei Gott. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Ehre sei Gott. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Merci, Seigneur. On peut prendre place. Danke, Herr. Wir nehmen Platz. Pendant qu'on chantait ce cantique, le Seigneur m'a montré qu'une personne a été vient d'être guérie d'un diabète. Während wir hier beteten, zeigte mir der Herr, dass er eine Person von Diabetes heilen wollte. Geheilt hat. Die Diabetes ist weg. Dieu nous surprend. Gott überrascht uns. Terre a été créée. Die Erde wurde erschaffen. On l'aime. Yes. Pour toi, Jésus, oh, ne les confesse pas ton nom. C'était un ave ma pas de sens. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, Jésus, oh, Jésus, oh, Père a été. Pour toi, Jésus, oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Le Père a été créé à toi et pour toi, Jésus, oh, si elle ne confesse pas ton nom, c'est qu'elle n'a vraiment pas de sens. Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh, Jésus, oh. Amen, 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 amen. Amen, 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 Jesus, Jesus. Das ist stärker als ich und stärker als wir. Wir können ihn nur loben, weil er viele Dinge tut. Je mehr Gott in unserem Leben handelt, umso mehr können wir ihn noch loben. Wow. Je suis en train de découvrir Dieu. Ich bin dabei, Gott zu entdecken. Je commence à le servir maintenant. Jetzt fange ich erst an, ihm zu dienen. Avant, c'était... On rigolait avant. Früher, on s'amusait. Früher war es nur Amusement.
On m'avait parlé de Dieu. Maintenant, je suis en train de le découvrir un tout petit peu. Man hat zu mir über Gott gesprochen, aber jetzt fange ich an, ihn selber zu entdecken. Des cancers qui disparaissent. Krebsleiden, die verschwinden. Des diabètes qui partent. Diabetes, die gehen. Des homosexuels qui se tournent vers le Seigneur. Homosexuelle, die ihr Leben dem Herrn geben. Des gens qui viennent et qui disent, nous voulons le baptême aujourd'hui, pas demain. Leute kommen und sagen, wir wollen heute getauft werden und nicht erst morgen. Y a que Dieu qui peut faire ça. Nur Gott kann das tun. Est-ce qu'on peut simplement enlever les chewing-gums, s'il vous plaît? Könnt ihr bitte die Kaugummis rausnehmen? Un homme est venu nous voir samedi matin. Am Samstagmorgen kam ein Mann. Vendredi matin. Am Freitagmorgen kam ein Mann. Pendant qu'on était en train de faire la révision de la Bible. Während wir die Übersetzung, die Überarbeitung der Bibel gemacht haben. Il est venu avec sa femme. Und er kam mit seiner Frau. Il nous dit, voilà, je souffrais, j'ai fait des examens urinaires et on a découvert du sang dans mon urine. Oh, und er sagte zu mir, ich habe Urinuntersuchungen gemacht und es befand sich Blut in meinem Urin. C'était un cancer de la prostate. Und das war ein Krebs. Prostatakrebs. Mm-hmm. Il dit, je dis à ma femme, on va aller au programme de réveil. Ich sagte zu meiner Frau, gehen wir zum Erweckungsprogramm nach Ivry? Zu seiner Frau. Weil seine Frau auch dabei war. Und er sagte, je mehr er aus dem Haus ging, zum Gebet ging, umso mehr verschwand dieser Schmerz. Und als sie arrivés, gab es plus rien. Und als sie hin und sie schließlich ankamen, an diesem Ort ankamen, war nichts mehr von dem Schmerz zu spüren. Und er ging wieder, um sich untersuchen zu lassen. Il me dit, le médecin a dit négatif, négatif, négatif. Il n'y a plus rien pour vous. Und der Arzt hat gesagt, négatif, négatif, négatif. Il y a deux samedis. Vor zwei Samstagen un jeune homme est venu au programme de prière, kam ein junger Mann zu diesem Erweckungstreffen. Son train, il venait de loin. Er hat den Zug von weit her genommen. Il est arrivé dans la ville où il y avait le programme, il y a le programme. Und als er diese Stadt betrat, in dem dieses Programm stattfand, il était encore au moins à 5 km de la salle, war er bestimmt noch 5 km von diesem Saal weg. Les démons commençaient à se manifester. Und er hat gespürt, wie sie die Dämonen zeigten. Il s'est mis à crier dans la rue. Und er hat in der Straße geschrien. Dieu fait des choses terribles. Gott tut wunderbare Dinge. Hier, un des frères me disait, gestern sagte einer der Brüder zu mir, un des pasteurs que le Seigneur a suscité me disait que y a une sœur, einer der Pastoren erzählte mir, dass es eine Schwester gibt, qui a partagé la parole à une de ses amies, die das Wort Gottes mit einer ihrer Freundinnen geteilt hat. Und diese Freundin war besessen. Und der Dämon hat dieser Schwester eine Frage gestellt. Est-ce que tu connais TV de vie? Kennst du TV de vie? Alors que cette païenne ne connaissait pas du tout TV de vie. Obwohl diese Heidin, also nicht Christin, dit, überhaupt nicht TVDW kennt. Le démon dit, faut pas m'amener là-bas. Und der Dämon sagte, bring mich ja nicht dahin. Et la sœur a commencé à faire sa délivrance dans la rue, dehors. Und die Schwester hat für sie gebetet in der Straße. Les païens passaient, ils la voyaient en train de délivrer sa copine. Und sie wurde befreit vor den Leuten auf der Straße. Le feu prend partout. Das Feuer geht überall hin. Y a pas de mots pour définir ce que Dieu fait. Es gibt keine Worte, zu beschreiben, was Gott tut. Impressionnant. Es ist unbeschreiblich. Les gens, ils arrivent à la gare. Die Leute kommen zum Bahnhof, kommen am Bahnhof an. Ils se mettent à courir. Und sie laufen
jusqu'à l'endroit où il y a le programme. Sie laufen bis zu diesem Ort des Erweckungstreffens. Comment ça arrive maintenant à 8 h du matin? Und sie kommen schon um 8 Uhr morgens an. Ils disent, nous voulons la parole tout de suite. Und sie sagen, wir brauchen sofort das Wort Gottes. Nous voulons confesser tout de suite. Und wir wollen sofort unsere Sünden bekennen. Alors, attendez un peu, disent, non, on veut tout de suite. Sie sagen, wartet doch ein bisschen ab. D'autres, sie sagen, nein, sofort. D'autres commencent à arriver la veille. Andere wiederum kommen schon am Vorabend. Vendredi, on était là en train de travailler, vendredi soir. Freitagabend haben wir gearbeitet. Ein französisches Paar kam. Ils ont fait au moins 6 heures de route. Sie sind 6 Stunden gefahren. Nous voulons la délivrance aujourd'hui. Und sie sagten, wir wollen heute Befreiung. Priez pour nous. Betet für uns. C'est impressionnant. Es ist unbeschreiblich. Des organes qui se mettent à repousser. Organe wachsen wieder. On se dit, Seigneur, mais est-ce que c'est du cinéma? C'est comment? Est-ce que c'est dans un film ou c'est comment? Wir sagen uns, Herr, sind wir in einem Film? Sind wir im Kino? Pourtant, on n'est pas à Hollywood. Aber wir sind nicht in Hollywood. Mais on est bien dans le royaume de notre Père, frères et sœurs. Sondern im Königreich unseres Vaters. Amen. Des satanistes qui viennent, qui disent, nous voulons quitter Satan. Satanisten kommen zu uns und sagen, wir möchten Satan verlassen. Nous voulons abandonner la sorcellerie aujourd'hui. Wir wollen heute die Hexerei verlassen. Il y a de plus en plus de médecins qui ne comprennent pas ce qui se passe. Mediziner staunen mehr und mehr über das, was passiert. Les hôtels qui sont à côté ne comprennent plus. Qui? Les hôtels qui sont à côté. Also die Hotels neben uns, die verstehen nicht mehr, was da Sache ist. Dieu donne l'adresse aux gens dans les songes. Im Traum erfahren manche Menschen über die Adresse unseres Treffens. Et beaucoup de gens qui avaient combattu ce message commencent à revenir pour demander pardon comme hier soir encore. Und viele Leute, die uns erst bekämpft haben, kommen jetzt zurück und bitten uns um Entschuldigung. Ils disent, c'est ça le message. Sie sagen, ihr habt doch recht, das ist die richtige Botschaft. Wir haben überall gesucht und nirgends gefunden, hier ist die Wahrheit. Sag zu deinem Nachbarn, es passieren Dinge. Nicht nur eine Sache, es passieren viele Dinge. Halleluja. Amen. Je dis au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Ich sagte zum Herrn, Herr, was erwartest du von mir? Seid ihr müde? Il vient me voir en songe, je me dis, fais-moi la révision de la Bible, révise-moi la Bible. Und dieser Mann sagt zu mir im Traum, übersetz mir die Bibel, überarbeite mir die Bibel. Je me suis réveillé, j'ai cru que j'étais fou. Je dis, moi, Seigneur. Und ich bin aufgewacht und ich dachte, ich wäre verrückt geworden. Frères, sœurs, Dieu existe. Brüder und Schwestern, Gott existiert. Et on a fini la révision pratiquement cette semaine. Donc d'ici mercredi, on envoie le fichier final à l'imprimeur. Und in dieser Woche haben wir die Übersetzung beinahe fertig gebracht. Et on a découvert des choses. Und wir haben viele Dinge entdeckt. Qu'on nous a caché, qu'on vous a caché. Dinge, die man uns und euch verborgen hat. Les théologiens ont fait exprès de mal interpréter certains passages. Theologen übersetzen mit Absicht oder legen mit Absicht manche Stellen anders aus. Ils ont enlevé des mots. Sie haben Wörter weggenommen. C'est impressionnant. Es ist beeindruckend. Par exemple, quelqu'un peut-il nous lire Ésaïe 43, verset 10? Kann jemand uns beispielsweise Jesaja 43 lesen? Vers? Ésaïe 43, 10. Vers 6. Vers 10. Jesaja 43, Vers 10. On peut mettre des chaises ici, s'il vous plaît. Ça ne dérange pas. Ouais. Ouais, quelqu'un peut le lire, oui, frère, merci. Der Bruder liest. Ouais, on va lui donner le micro, c'est possible, Laurent. Ouais. Ésaïe
Allô? Ésaïe 43, 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai élu, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Il n'y a point eu de Dieu formé avant moi. Et il n'y en aura point après moi. Okay. Jesaja 43, Vers 10. Ihr seid meine Zeugen, spricht der Herr, und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich es bin. Vor mir wurde kein Gott gebildet und nach mir wird keiner sein. Okay, en allemand, là où on a dit en français, c'est moi. Comment ça a été traduit en allemand? Wie ist es hier übersetzt? C'est moi. Dass ich es bin. La première phrase, non? La fin de la première phrase. C'est moi. En français, là, c'est comment? Okay. Voilà. Que c'est moi. En allemand, dass ich es bin. Comme ça aussi? Mm-hmm. Que c'est moi, c'est ça? Ja. Mm-hmm. Ça, ça a été mal traduit. Mais on a mis une autre traduction en bas. On a mis quoi? On a mis que je suis le même. En fait, c'est à peu près ça. Vous voyez, ils ne le mettent pas dans le texte, mm-hmm. mais ils le mettent ici, là, dans ta Bible, ils l'ont mis sur le commentaire. Sie legen den richtigen Text nicht in die Stelle rein, sondern unten als kleinen Kommentar dazu. En fait, dans Ésaïe 43, 10, ici, in Jesaja 43, 10 steht, est en train de révéler à Ésaïe son nom. Hier offenbart Gott seinen Namen. Il dit, là où on a dit en français c'est moi, en fait c'est pas c'est moi. Im Französischen c'est steht, je suis. Ich bin es. Je suis. Ich bin. Et quand vous lisez ça comme ça en allemand ou en français, vous n'allez pas comprendre qu'il est question ici du nom de Dieu. Und hier steht, ich bin's, aber es handelt sich um den Namen Gottes. Voyez, c'est le nom qu'il avait révélé à Moïse, celui qui s'appelle Je suis. Das ist der Name, den Gott offenbart hat. Ich bin. Et ils ont voulu embellir la parole de Dieu, alors qu'elle est déjà embellie, elle est déjà puissante. Et ils ont déformé des mots. Und sie wollten das Wort Gottes einhüllen oder schön verpacken, obwohl das Wort Gottes schon schön ist, und haben deswegen andere Wörter rundherum gebaut. Il n'y a pas d'autre Dieu, car je suis. Und Gott sagt, es gibt keinen anderen Gott, denn ich bin. Et Jésus dit effectivement que avant qu'Abraham fût, je suis. Und Jesus hat auch gesagt, bevor Abraham war, bin ich. Amen. Amen. Donc c'est un travail. En travaillant cette révision, dans cette révision, on découvre des choses. Indem wir also an dieser Überarbeitung arbeiten, entdecken wir so viele Dinge. Alléluia. Amen. Et on a découvert aussi que Salomon avait des cheveux crépus. Wir haben auch entdeckt, dass Salomon gewelltes Haar hatte. Et gelocktes. Dieu, gekräuseltes. Cette Bible va être une bombe. Je crois que quand elle va sortir, je vais me cacher quelque temps. Er möchte sich einige Zeit verstecken. Alléluia. Amen. Et il faudrait la traduire en allemand, ça serait pas mal. Hein? Ja, ja. Wir müssen die Bibel auf Deutsch übersetzen. C'est magnifique. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Habt ihr Fragen? Oui. Pourquoi elle avait des cheveux crépus? Ah ben ça, Dieu seul le sait. Warum hatte gekräuselte Haare? Amen. Gott allein weiß es. C'est juste pour vous montrer qu'il y a des choses qui ont été cachées. Oui, frère? Ich wollte wissen, in welchem Geist ihr arbeitet, wenn ihr diese Übersetzung macht. D'abord, c'est dans l'esprit de Dieu. Wir überlassen alles Gott. Deuxièmement, parce que c'était une demande du Seigneur. Es war eine Anfrage des Herrn. Et vous savez, on nous a appris. Man hat uns gelehrt.
Und man hat uns glauben gemacht, que la révision de la Bible ne peut être faite que par les anglophones. Dass eine Bibelübersetzung nur durch englischsprachige Leute zustande kommen kann. N'est-ce pas? Par les Américains notamment. Besonders Amerikaner. Dieu fait ce qu'il veut. Aber Gott tut, was er will. Il est souverain, il appelle qui il veut. Er ist souverän und er beruft, wen er möchte. Donc c'est parce que Dieu nous l'a demandé. Et parce que c'était aussi nécessaire. Denn Gott hat uns darum gebeten. Und es war notwendig. Oui, ma soeur. Là-bas, au fond, après. Le micro. Cette Bible-là, quand elle va finir, uh-huh. comme nous sommes loin, est-ce que vous n'allez pas nous mettre un peu à côté? Ich wollte nur fragen, wann diese Bibel fertig ist und ob ihr nicht... On vient de Bielefeld. Ob ihr nicht ein paar Exemplare auf die Seite legen könnt, weil wir wohnen weit weg. Okay, c'est la même question, frère. On va donner le micro. Effectivement, la même question. Je viens de Dortmund. D'accord. Wow, okay. Ich komme aus Dortmund und habe dieselbe Frage. Alors, c'est simple. Pour l'instant, nous allons faire imprimer 10 000 exemplaires. Also im Moment drucken wir 10.000 Exemplare. Ces 10 000 exemplaires nous coûtent 85 000 euros à peu près. Und die kosten uns ungefähr 85.000 Euro. Savez, on va les distribuer gratuitement. Und ihr wisst, dass wir die ganzen Exemplare kostenlos verteilen. Toutefois, pour ceux qui sont loin, parce und que für diejenigen, die sich weiter weg befinden, vous encore, vous êtes en Europe, il y a des gens qui sont en Guyane, qui sont à l'île de la Réunion, qui sont en Alaska, qui sont ici et là, qui demandent également. Ihr seid immerhin noch in Europa, aber es gibt Leute in Guyana oder in Alaska oder irgendwo, die auch Bibeln alors, haben wollen. C'est simple. Nous allons, wie sollen die das machen? On a déjà créé un site internet. Wir haben schon eine Internetseite, qui est dédiée à cette Bible. Die nur dieser Bibel gewidmet ist. Et, donc biblejesuschrist.com, quelque chose comme ça. Et, biblejesuschrist.com. Donc il y aura justement une version PDF. Es wird auch eine PDF-Datei geben, que vous allez pouvoir télécharger et die ihr euch imprimer. Runterladen könnt und ausdrucken. Ça coûte pas grand chose. Donc chacun peut faire imprimer sa propre Bible. Jeder kann also seine eigene Bibel Amen. Drucken. Ensuite, il y aura aussi une application. Und es wird auch einen Link geben. Que vous pouvez télécharger sur vos portables. Für das Handy. Comme la Bible online. Online. Donc de sorte que tout le monde peut accéder à cette parole. Und somit kann jeder Mensch Zugang zu dieser Bibel haben. Alors, il y aura quoi dedans? Je vais juste, j'ai jamais montré cela à qui que ce soit, mais comme je suis dans la joie d'être là, je vais vous montrer quelque chose vite fait là. Ich freue mich, dass ihr da seid und möchte euch schnell was zeigen. Parce que c'est vraiment un travail phénoménal. Es ist nämlich eine phänomenale Arbeit. Vous savez, aujourd'hui sur Internet, pour faire imprimer une Bible, ça coûte pas grand chose. Vous pouvez le faire avec moyennant. Um ins Internet zu gehen, euch eine Bibel runterzuladen und drucken, das kostet nicht die Welt. Voilà sa couverture. So wird die Bibel aussehen. La Bible de Yeshua, de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Die Bibel Jesu Christi, unseres Herrn und Retters. Voilà, interdite à la vente, on a écrit. Da steht extra drauf, verboten zum Weiterverkauf oder verkaufen verboten. Ouais, avec le chauffard. Mit einem Schofahrhorn.
Gloire à Dieu. Ehre sei Gott. Voilà, tout le monde voit là, c'est bon. Voilà. Comment? En cuir, ouais. En cuir et ça a coûté. Es ist ein Lederumschlag. Parce qu'on a voulu faire quelque chose qui honorerait le Seigneur. Et, Wir loben den Herrn. C'est bon là-bas? Je ne vais pas vous pénaliser parce que vous êtes loin. Ce n'est pas juste. Voilà. BJC, la BJC. Voilà. Donc, il y aura quoi dedans? Il y a des commentaires. In einiger Zeit wird es auch einen Kommentar dazu geben. Il y a plusieurs tableaux. Mehrere Felder. Il y a plusieurs tableaux et il y a plein de choses et un tout petit peu l'histoire de. Es gibt mehrere Felder und. Du christianisme tout ça. Un bisschen ouais. Was über das Christentum. Un résumé. Ouais. Ok. Ich frage auf Deutsch, ja? Da kann ich besser mich. Meine Frage ist, können wir uns denn zuversichern oder können wir sicher sein, dass diesmal die richtige Bibel ist, die jetzt richtig übersetzt ist? Weil es gibt ja so viele Übersetzungen von der Bibel. Und meine Frage ist, können wir uns jetzt also versichern oder sicher sein, dass jetzt das Richtige ist? Ma question c'est que il y a tellement d'exemplaires de la Bible, différentes traductions. Est-ce que nous pouvons maintenant finalement être sûrs que c'est la bonne traduction? Ok. Alors, il n'y a pas que celle-ci pour ne pas justement enfermer les gens quelque part. Il y a des versions comme la Martin. Es gibt nicht nur diese Bibel, nicht damit die Leute denken, das ist die einzig gute. Es gibt Saint-Martin-Bibel auf Französisch. Osterwald. Oder Osterwald-Bibel. Osterwald, pas de 96. Ich spreche von der Osterwald-Übersetzung von nicht 96. D'accord. Die 96er Übersetzung. Es gibt die Bibel, das Schwert. C'est la Bible de Calvin. De 1540. Die Bibel von Calvin. C'est du vieux français. Von 1500 noch irgendwas. Et, 1540. Il y a la Bible de. Et, comment. Ça va me revenir. Donc, es gibt, quelques-unes qui sont, es gibt schon einige Übersetzungen. Qui sont pas mal. Dans la Bible de Martin. In der Bibel Martin. Il y a beaucoup de choses qui n'a pas traduites correctement. Gibt's viele Dinge trotzdem, die mais nicht so gut übersetzt waren. C'est l'une des Bibles qui sont les plus proches, hein, donc l'une des Bibles qui sont plus proches des textes originaux. Aber es ist eine derer, die sich nah am Urtext befinden. Par exemple, Louis II qui est la plus répandue. Louis II, Ludwig II Bibel. En fait, est-ce que vous savez que Louis II ne croyait pas à la divinité de Jésus? Wisst ihr überhaupt, dass Ludwig II überhaupt nicht an die Göttlichkeit Jesu glaubte, der das übersetzt hat? Oui, donc il y a beaucoup de choses aussi que II a enlevé ou rajouté. Also hat Ludwig II viele Dinge rausgenommen. Et déjà, si vous avez l'Osterwald, la Martin, la Bible de l'épée, ça c'est des bonnes choses. Wenn ihr Osterwald, diese l'épée oder Martin habt, dann geht das schon. Par exemple, dans Deutéronome, chapitre 32. Wir gehen in den 5. Mose, Kapitel 2. Juste, qui c'est qui a la Bible de la Martin ici? Qui c'est qui a la Martin? 5. Mose, 32. 32. Okay. Ja.
Exode 32. Exode, pardon, 32. 2. Mose 32. 2. Mose, Kapitel 32. Zweiter Mose. Exode 32. Kapitel 32. Justement, on va partager là-dessus. Exode 32. Mm-hmm. C'est ça? Ja, Zweiter Mose 32. Ok. On va lire à partir du verset 1er. Wir werden ab dem ersten Vers lesen. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne. Als nun das Volk sah, dass Mose säumte, vom Berg herabzukommen, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, versammelte sich das Volk zu Aaron und sie sagten zu ihm: Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Auf, mache uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Mose, der Mann, der uns aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben, wir wissen nicht, was ihm Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Ihnen reißt die goldenen Ringe ab, die an den Ohren der Frauen eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren hingen, und sie brachten sie zu Aaron. N'est-ce pas? Et au verset 4, et il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Der nahm alles aus ihrer Hand, formte es mit einem Meißel und machte ein gegossenes Kalb daraus. Und sie sagten, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Le lendemain, hein, lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain il y aura une fête en l'honneur de Yahweh. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und Aaron rief aus und sagte, ein Fest für den Herrn ist morgen. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices à ton de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour, là on dit pour se divertir, mais en fait c'était pour se moquer. So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar, und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Ils se Dann standen sie auf, um sich zu belustigen. Eigentlich heißt es wörtlich übersetzt, um sich lustig zu machen über Gott. Ils se sont moqués de Dieu. Sie haben sich über Gott lustig gemacht. Vous voyez, donc, ce mot-là n'a pas été traduit correctement. Donc, ils se sont moqués, ils se sont mis à rire, n'est-ce pas? Dieses Wort ist also auch nicht richtig übersetzt. Sie haben gelacht über Gott. Regardez bien ce qui va se passer, ce qui s'est passé ici. Seht mal, was hier geschehen ist. On apprend que le peuple va s'assembler autour d'Aaron. Wir haben hier, es steht hier, dass das Volk sich um Aaron versammelt hat. Voilà le principe de la religion. Das ist das Prinzip der Religion. On s'assemble autour des hommes. Man versammelt sich um Menschen. D'où les dénominations. Da kommen die Denominationen her. Et le Seigneur a dit là où deux ou trois s'assemblent en mon nom. Aber der Herr hat gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, bin ich mitten unter ihnen. Ce n'est pas ce qui s'est passé ici. Aber hier steht, hier ist anderes passiert. Le peuple se retrouve autour d'Aaron et Aaron était devenu, n'est-ce pas, leur Dieu. Das Volk versammelte sich um Aaron und Aaron ist ihr Gott geworden. Et c'est exactement ce que nous avons dans nos églises aujourd'hui. Und genauso findet das in unseren Gemeinden statt heute. Dieu m'a dit, Gott hat gesagt, va et libère mon peuple. Geh und befreie mein Volk. Va et libère ce peuple. Gott hat gesagt, amène-moi geh ce peuple. Und befreie amène-moi dieses Volk. Bring mir dieses Volk. D'accord? Voilà la mission que Dieu donne aux prédicateurs, aux messagers, das aux apôtres, aux prophètes, aux docteurs.
die Gott den, den Aposteln, den Evangelisten, den Predigern gibt. Mais Aaron n'a pas fait ce travail-là. Aber Aaron hat diese Arbeit Aaron nicht gemacht. A accepté que le peuple s'assemble autour de lui. Aaron hat akzeptiert, dass das Volk sich um ihn herum versammelt. Tout comme vos pasteurs vous appellent à vous assembler autour d'eux. So wie eure Pastoren euch anrufen, sich, sich um sie herum zu versammeln. Vous empêchant d'aller voir ailleurs. Ça, on connaît. Und sie verhindern euch, dass sie woanders hingeht. Alléluia. Ah, ce sont mes brebis. On a volé mes brebis. Das sind meine Schafe. Willkommen, meine Schafe. On va revenir encore davantage ici en Allemagne. Là. On va, le Seigneur va mettre le feu dans vos cimetières, là, au nom de Yeshua, afin que le peuple soit libéré au nom de Yeshua. Wir kommen öfter nach Deutschland und der Herr wird hier Feuer setzen. Il faut casser toutes ces baraques là, il faut les briser, les renverser au nom de Yeshua. Wir müssen all diese Gebäude zerstören und umdrehen. Dieu dit à Jérémie, je t'ai établi d'abord pour arracher. Gott sagt zu Jeremia, ich habe dich gesetzt, um auszureißen. Il y a des choses qui peuvent être arrachées, frère. Es gibt Dinge, die ausgerissen werden können. Alléluia. Je t'ai appelé pour briser, ruiner, détruire. Er wurde berufen, um zu zerstören, zu auszureißen. On va dire dans ce message, détruit les églises, frère. Quelle église? Qui peut détruire l'église? Man sagt, diese Botschaft zerstört die Gemeinde. Les entreprises familiales, là, on va les casser au nom de Yeshua, frère et sœur. Wer kann die Gemeinde zerstören? Diese Familienunternehmen werden wir kaputt machen. Ils n'ont pas fini de trembler. Dis à ton voisin, ils vont trembler encore. Sie werden weiterhin zittern. Ça va arriver jusqu'au Vatican là-bas, là. Ça va arriver jusqu'au Vatican. Das wird bis zum Vatikan gehen. Alléluia! Dis à ton voisin, le feu arrive. Sag zu dem, das Feuer kommt. Oh! Amen. Il est là, frère. Il se passe quelque chose de chaud. Etwas passiert. Il est là, le Seigneur de gloire. Er ist da, der Herr der Herrlichkeit. Je vois des prophétesses ici. Je vois des prophètes ici. Je vois. Alléluia. Ich sehe Prophetinnen. Ce feu que tu avais quand tu t'es converti, ce feu sera allumé. Dieses Feuer, das du hattest. Dieses Feuer, als du dich bekehrtest. Qui t'a dit que l'Allemagne est un pays dur? Qui t'a dit? Wer sagt dir, dass Deutschland ein hartes Land ist? L'Allemagne est prête pour recevoir l'Évangile. Deutschland ist bereit, um die Botschaft zu hören. Ça va arriver jusqu'à Angela Merkel là-bas. Le feu va arriver au nom de Yeshua. Ça va traverser la Suisse. Ça va traverser, es mes wird, amis, l'Autriche. Wird, ça va traverser la France, es la Belgique, oh, alléluia, Deutschland, le Luxembourg. Ça va prendre. Luxembourg, dis, ça va prendre. Alle Länder werden in Feuer gesetzt werden. Il y a plusieurs armées d'anges que tu as dépêchées. Gott hat mehrere Armeen von Engeln geschickt. Dieu dit à Jérémie. Gott sagt zu Jeremia. Tu dois arracher. Du musst erstmal ausreißen. Tu dois, n'est-ce pas, abattre. Du musst alles niederreißen. Tu dois ruiner. Du musst ruinieren. Tu dois détruire. Zerstören. Avant de planter. Bevor du was aufbaust. Mes amis. Meine Freunde. Halleluja. Moïse. Mose. Monte à la montagne. Steht auf und geht zum Berg. C'est l'image de Christ quand il est monté au ciel. Das ist das Bild Christi, der in den Himmel aufgestiegen ist. Après sa mission, nach seiner Mission, il est parti. Ist er gegangen. Il nous a laissé au pied de la montagne, physiquement parlant. Und er hat uns zu Füßen des Berges gelassen. D'accord? Mm-hmm. Il est parti là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Mose stieg auf den Berg, das Volk war unten. Il prépare son peuple pour rentrer dans le millénium. Dans le royaume terrestre. Und der Herr bereitet uns auch vor, um in das Millennium zu gehen, in uns tausendjährige Reich. Monté, und als Mose auf den Berg stieg, was hat er getan? Il a préparé, il a reçu des lois, er hat Gesetze empfangen, afin de redescendre et d'établir, n'est-ce pas, le royaume de Dieu en Israël. Um diese Gesetze zum Volk zu bringen, um dieses la Königreich fête, aufzubauen. Le royaume. Dieser Tabernakel, die Bundeslade.
Et pendant que Moïse était sur la montagne, le peuple va, n'est-ce pas, manquer de patience. Und als Mose auf diesem Berg war, mangelte es dem Volk an Geduld. Vous avez vu ce peuple, comme je le disais hier? Seht ihr dieses Volk? Vu des grands miracles. Dieses Volk hat große Wunder gesehen. Ce peuple a été visité particulièrement par le Seigneur. Dieses Volk wurde besonders vom Herrn besucht. Ce peuple a entendu la voix de Dieu depuis le ciel. Vom Himmel aus hörte dieses Volk schon die Stimme Gottes. Et il va croire que son Dieu était un faux. Und dann glaubte es, dass sein Gott ein falscher Gott sei. C'est comme aujourd'hui les hommes en cravate là, des grands souverains de ce monde, ils vont s'agenouiller devant les taureaux, devant les statues. Vous vous rendez compte? So wie die großen Männer dieser Welt, die sich vor Büffeln und so weiter, vor goldenen Lämmern, Kälbern niederwerfen. Ils ont dit ce Moïse n'est plus là. Sie haben gesagt, Mose ist nicht mehr da. Nous a laissé. Dieser Mann, der uns befreit hat. Enlevez un pasteur d'une église locale pendant 3 semaines, vous allez voir ce qui va se passer. Er hat uns verlassen. Genauso wird heute, wenn ein Pastor mal 3 Wochen nicht da ist, dieser Pastor vermisst. Enlevez-le pendant 3 mois. Nehmt ihn mal 3 Monate weg, diesen Pastor. Vous allez voir que beaucoup de chrétiens ne vont plus aller prier. Viele Christen werden dann nicht mehr beten. Ils vont dire, non, le pasteur est en vacances, quand il va revenir, nous aussi on va. Sie sagen, der Pastor ist auf Urlaub und wenn er wieder kommt, fangen wir wieder an zu beten. Ich sagte zu meinen Brüdern in Paris, ich gehe weg, ihr müsst weitermachen. Alleluia. Ich möchte mich selber retten. C'est grave. L'homme n'a pas changé. Der Mensch ist nicht anders geworden. Ja. Alleluia. Amen. L'homme n'a pas changé. Der Mensch hat sich nicht geändert. Ils ont dit à Aaron, écoute, sie haben zu Aaron gesagt, hör mal zu, bilde mir einen Gott. Parce que l'homme aime le toucher. Der Mensch möchte immer was zum Anfassen haben. Fabrique-nous un Dieu. Mach mir einen Gott. Et ils ont fabriqué quel Dieu? Eh bien, le Dieu qu'ils ont vu en Égypte. Le Dieu Und welchen Gott haben sie fabriziert? Denjenigen, den sie schon in Ägypten hinter sich gelassen haben. D'accord. Et vous savez ce qui s'est passé ici? Und wisst ihr, was hier passiert ist? Le peuple va se dénuder. Aaron va demander au peuple de d'enlever les vêtements. Bah oui, c'est ça. Aaron hat verlangt von den Leuten, dass sie ihre Kleider Parce runterreißen. Le culte de ce taureau das en Égypte Volk ist nackt geworden. Se faisait par des orgies, le sexe. Weil diese Gottesanbetung in Ägypten wurde durch Orgien gemacht. King James utilise le verbe dénuder effectivement. Die Kim, ça a été bien traduit. Die King James Version Aaron les a dénudés. War sehr gut übersetzt, weil da heißt es nämlich, sie wurden entkleidet. Tu peux me trouver ça, la King James, tu l'as, la King James? Ils ont enlevé leurs vêtements, ils ont commencé à se moquer de Dieu en couchant les uns avec les autres. Sie haben ihre Kleider runtergerissen und haben sich über Gott belustigt, indem sie miteinander geschlafen haben. Voilà leur religion. Das ist ihre Religion. Le sexe. Der Sex. Et vous avez vu le nombre de chrétiens qui sont dans le sexe aujourd'hui dans nos églises là? Vous avez vu le nombre de pasteurs qui divorcent, qui se remarient? Seht ihr die Anzahl der Christen, die heute sexuell unzüchtig sind? Vous avez vu le nombre de pasteurs qui font avec des jeunes filles? Pastoren, des apôtres ici en Allemagne, die mit ici, là, jungen Mädchen rummachen, qui polluent l'Allemagne, die Deutschland verschmutzen. C'est grave. Das ist wirklich schlimm. Oh, que Dieu nous soutienne, que Dieu nous aide, que Dieu nous libère. Gott helfe uns, Gott unterstütze uns. Ils ont commencé à pratiquer le péché en adorant ce démon. Sie haben die Sünde praktiziert, indem sie diesen Gott angebetet haben. Et la Bible dit que lorsque Aaron a vu ce veau là, und die Bibel sagt, als Aaron dieses Kalb gesehen hat, hat er zu Israel gesagt, schau Israel, dein Gott. Paul nous dit, Paulus sagt zu uns, in Römer Kapitel 1, ils ont changé l'image du Dieu sie haben incorruptible. Das Bild des unvergänglichen Gottes verändert. Eine Image représentant l'homme corruptible. In ein Bild, das den des vergänglichen oiseaux, Menschen darstellt. Oiseaux, Vögel, des Vögel, Kriechtiere und so weiter. Vous pensez que ça a changé? C'est la même chose aujourd'hui. Wir haben uns nicht geändert. Heute ist es genauso. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous verrez dans ces églises-là, mes amis, ce sont les démons en forme d'animaux qui sont adorés par des hommes. Wenn Gott euch die geistlichen Augen öffnen würde, dann würdet ihr hier viele
Tiere und alles Mögliche si sehen. Si vous êtes dans une église où il y a pas de croissance, c'est une parenthèse que je veux. Aujourd'hui, on va tout casser encore là. On va tout casser. Heute werden wir alles niederreißen. Si vous êtes dans une église où il y a pas de croissance, ça veut dire que c'est Satan qui règne là-dedans. Wenn ihr in einer Gemeinde seid, wo es nicht weitergeht. Si ça ne grandit jamais, c'est Satan qui est là-dedans. Wenn es nicht weitergeht und diese Gemeinde nicht wächst, dann wird Satan angebetet. Das ist das goldene Kalb. Gott Apis. Er sucht Probleme, glauben die Leute. C'est minuit de nuit ou pas? 32. La corruption. En fait, le mot corruption là, c'est dénudé, littéralement. In the King James, okay. In the King James Coffee Bible steht das Wort Korruption. Das heißt eigentlich. De quelle année? Aus welchem Jahr? 1917. Okay, ça c'est celle d'avant. 1917. Ouais. Ausgabe 1917. Et ils ont commencé à pratiquer le péché. Sie haben angefangen, Sünde zu treiben. Ils ont commencé à se moquer de Dieu. Sie haben sich über Gott lustig gemacht. Pendant que Moïse était dans la présence de Dieu sur la montagne. Während Mose in Gottes Gegenwart auf dem Berg war. Regardez depuis que le Seigneur est monté au ciel. Überlegt mal, seit der Herr in den Himmel aufgestiegen ist. L'état des églises après. Was war nachher dieser Zustand der Gemeinden? Seien wir mal ehrlich. Est-ce que vous connaissez des chantres chrétiens qui donnent gratuitement leurs CD? Il y en a très peu. Kennt ihr christliche Sänger, die umsonst ihre CDs hergeben? Hein? Africains, Européens, ça devient africanisch, un business. Ça, on le sait, hein? Européisch. Ok. Regardez, même le Reinhard Bonnke ici, ils font des séminaires à 500 euros. Une semaine de formation, 500 euros. Sogar Reinhard Bonnke und so weiter machen Seminare 500 Euro pro Woche. Commerce sur commerce. Handel über Handel. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui arrive à ce monsieur-là? Moi, je crie. Ihr denkt euch wohl, was ist mit diesem Mann los? Nee, ich schreie nur. Le Seigneur est parti et sur terre, c'est le commerce, c'est le bazar. Der Herr ist auf Erden gekommen und es war nur Kommerz, nur Handel. C'est la musique, c'est le monde, c'est le rap dans l'église, c'est le rock dans l'église. C'est Musik, Rap, lauter diese Sachen, lauter all diese Abwechslungen. Les conversions, il y en a une fois par année. Und einmal im Jahr gibt es vielleicht eine Bekehrung. Les baptêmes, il y en a deux par chaque année, encore. Und jedes Jahr zwei Taufen. Et quand il y en a, c'est le bishop lui-même qui va les baptiser, alors que toi aussi tu peux baptiser. Und wenn es Taufen gibt, dann muss es schon der Bischof selber sein, der tauft. Halleluja! Tiens, à ton voisin, il faut que ça change. Das muss sich ändern. L'image que j'ai là, c'est le Seigneur avec un fouet. Il rentre dans nos églises là, il est en train de fouetter tout le monde, là, mes amis là. Il est en train de virer tout le monde dehors. Et je vois des chrétiens sincères qui se mettent à fuir pour aller vers Dieu. Ich sehe im Geiste diese Peitsche und die Menschen, die wirklich an Gott glauben, die fliehen. Dieu dit à Aaron, à Moïse, descend. Gott sagt zu Mose, geh runter, steig herab. Eh bien, Dieu avait établi des gens comme Aaron, effectivement, pour diriger son peuple. Es gibt Menschen, Gott hat Leute wie Aaron bestellt, die dieses Volk führen. Nous voulons nous assembler autour de vous seulement. Aber das Volk sagt, wir möchten nur um euch herum uns vous versammeln. Soyez au milieu, au centre. Pas Dieu, mais vous. Ihr müsst in unserer Mitte sein und nicht Gott. Et le peuple a mis la pression sur les dirigeants. C'est vous qui tuez les dirigeants là, beaucoup. Und das Volk hat Druck ausgeübt auf diese Leiter. Ils mettent la pression. Sie üben Druck aus. Oh, Dieu, j'ai une offrande pour toi parce que tu m'as fait une prière la dernière fois, c'est gratuit. Ich habe ein Opfer gegeben. Vous voyez un homme qui prêche l'évangile, vous arrivez, homme de Dieu, Dieu m'a dit, je suis ta fille. Oh, comment ça, tu es ma fille? Wenn ihr für jemanden betet, kommt vielleicht dieses junge Mädchen und sagt, eine Prophetin, die sich zwischen einem Mann und ihre Frau, seine Frau steht. Es ist ein Durcheinander. Il y a tellement la confusion qu'il y en a qui ne sont même pas appelés par Dieu. Ils veulent s'improviser prédicateurs. Alors il y a rien.
es gibt so viel Durcheinander, dass sogar Menschen gibt, die überhaupt nichts mit Gott zu tun haben und trotzdem predigen wollen. On écoute le monsieur prêcher, on dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il n'y a rien, qu'est-ce qu'il raconte? Il raconte quoi là? Il va sur Internet, il va sur des sites, il va chercher des machins comme ça, là, il vient, il... frère, c'est la confusion, c'est la confusion. Manche Leute suchen im Internet rum, wo sie die Wahrheit sehen, das ist echtes Durcheinander. Dieu dit à Moïse, redescends. Gott sagt zu Mose, steig herab. Eh bien, c'est ce qui va précipiter le retour du Seigneur, c'est la corruption qui est actuellement dans les églises, en fait. Was dieses Kommen Jesu Christi beschleunigen wird, ist diese Korruption, die in den Gemeinden stattfindet, die Korruption, die in unseren Herzen stattfindet. On reproduit le monde dans nos cœurs, dans nos réunions d'église, on reproduit le monde dans nos assemblées. Man reproduziert die Welt draußen in unseren Herzen und in unseren Gemeinden. Je vous assure, frère. Und ich versichere euch, Brüder, le Seigneur est en train de descendre. Der Herr kommt wieder. Et quand Moïse est redescendu, und als Mose wieder herabkam, il est redescendu de la montagne avec la parole. Kam wieder mit dem Wort Gottes herab. D'accord? Avec l'évangile. Mit dem Evangelium. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment-là. Und genau so passiert das jetzt. Plus le Seigneur revient, je mehr der Herr kommt, plus des ministères seront suscités. Umso mehr Dienste stehen auf. Comme de Moïse, des libérateurs. Wie Mose, Befreier des Volkes. Ces hommes et ces femmes que tu appelles comme ça sont, mes amis, des hommes et des femmes solitaires. Diese Frauen und Männer, die der Herr erweckt, sind einsame Frauen und Männer. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous ici, Dieu va leur imposer la solitude. Deswegen wird vielen Leuten unter euch Gott zwingen, dass sie alleine sind. Confier ces rouleaux. Er braucht euch nämlich alleine, damit er euch seine Offenbarungen gibt. Qui va mettre en vous le feu. Dieses Wort, das in euch et Feuer vous bringt. N'aurez pas d'autre choix que de marcher und ici ihr là pour werdet aller keine andere Wahl haben, als mit Gott zu gehen. Alléluia. Amen. Ces ministères, ces hommes et ces femmes, diese Dienste, diese Männer und que Frauen, Dieu suscite en ce temps, die Gott der Herr in dieser Zeit erweckt, ont une expérience particulière avec Dieu. Werden eine besondere Beziehung mit Gott haben, eine besondere Erfahrung. Dieu a amené dans sa présence, das sind Männer und Frauen, die Gott in seine Gegenwart gezogen hat, denen er seine Gedanken offenbart hat. Et il va les envoyer pour libérer le peuple. Und er wird sie senden, um das Volk zu befreien. Vous savez pourquoi beaucoup d'entre vous ont quitté les assemblées? Wisst ihr, warum viele von euch aus den Gemeinden rausgegangen sind? Parce que le Seigneur est en train de revenir. Denn der Herr kommt wieder. Vous n'avez pas compris qu'il y a comme une espèce d'exode de sortie de l'Égypte. Wisst ihr nicht, dans le monde entier, des chrétiens qui sortent. Dass jetzt sowas wie ein Exodus stattfindet, Menschen, die aus den Kirchen le austreten. Le vent du réveil que Dieu a suscité en ce moment. Dass der Wind der Erweckung, Paris, ici et là, der Wind der Erweckung, den der Herr jetzt hier bläst. C'est un vent qui va obliger les vrais enfants de Dieu à sortir. Ist ein Wind, der die wahren Kinder Gottes aus et diesen Kirchen rausholt. Qui prennent leurs enfants et qui sortent. Ich sehe Ehepaare, die ihre Kinder nehmen und aus den Kirchen austreten. Je vois des maisons qui s'ouvrent. Und ich sehe Häuser, des appartements die sich ouvrent leurs portes. Wohnungen, die ihre Türen öffnen. Et je vois des enfants, des couples qui viennent dans ces maisons pour prier, partager la parole. Und ich sehe Kinder und Ehepaare, die in diese Wohnungen kommen, um das Wort zu teilen. Je vois des faux pasteurs devant leurs assemblées, und ich devant sehe leur bâtiment, die falschen Pastoren avec in des ihrem sifflets pour siffler que les gens reviennent. Und ich sehe die Pastoren pfeifen, Halleluja, damit die Leute wieder zurückkommen. Et je vois ces chrétiens qui sont sortis leur dire bye bye, bye bye. Aber die wahren Christen, die aus den Gemeinden ausgetreten sind, Halleluja, sagen, bye, 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 wir wollen tiefe Wasser sehen. Celui qui a goûté la bonne parole, derjenige, der das gute Wort geschmeckt hat, ne voudra manger de coloquintes sauvages. Wird nie wieder schlechte Koloquinten essen wollen. Oh, Halleluja. Dis à ton voisin, nous allons monter sur la montagne. Sag zu deinem Nachbarn, wir steigen auf den Berg. Regardez. Le Seigneur a pris Pierre, Jacques et Jean. Der Herr hat Petrus, Paul, Jakobus und montagne, Johannes genommen und ist da auf den Berg gestiegen. Dans la gloire. In der Herrlichkeit. Frères, sœurs.
Brüder und Schwestern, diejenigen, die die Botschaft über die Wiederkehr Jesu predigen wollen, sind Menschen, die im Geiste schon im Himmel waren. Le Seigneur les a pris, les a amenés sur la montagne. Der Herr hat sie genommen und auf den Ils Berg ont gesetzt. Vu la gloire de Dieu. Und sie haben die Herrlichkeit Gottes gekostet. Du kannst diese Botschaft nicht predigen, wenn du die Herrlichkeit Halleluja. Gottes nicht selber erfahren Ils ont hast. Vu la gloire. Sie haben diese Ils ont Herrlichkeit Eli. Gesehen. Elia. Sie haben Elia gesehen. Eli, c'est la, le prophète. Elia ist der Prophet schlechthin. Dieu va appeler des prophètes en ce temps de la fin, des prophètes, beaucoup de prophètes. Der Herr wird Propheten berufen. Beaucoup de prophètes authentiques. Propheten berufen. Ils ont vu Moïse. Sie haben Moïse. C'est la loi de l'Éternel, la loi de Dieu. Es ist das Gesetz Gottes. Il y a la prophétie, il y a aussi la parole écrite, frère. Les deux vont ensemble. Die zwei Sachen, Prophetie la connaissance und Wort Gottes, die Erkenntnis des Wortes, das ist Mose. Et vous verrez ces hommes et ces femmes. Ihr werdet diese Männer und Frauen sehen, die im Geiste Elias sind und die dieses Wort Gottes in sich haben. Sie haben das Feuer. Brüder und Schwestern, die dritte Sache, die sie gesehen haben, die Herrlichkeit, das erste, Elia und Mose, und dann haben sie noch was gehört. Du vois comme Job, du siehst, tu entends comme Job, tu vois. Du hörst wie hier, nous du ne siehst, pouvons pas ne pas parler des choses que nous avons vues et entendues. Wir sprechen von Dingen, die wir gehört und gesehen haben. Si je prêche, wenn ich heute predige, ces choses, c'est parce que je les ai vues. Wenn ich heute über diese Dinge entendu. Predigte, dann habe ich sie gesehen, frère, dann habe ich sie Gabriel. Gehört. J'ai parlé pendant longtemps avec Gabriel là-haut. Ich habe den Engel Gabriel gesehen und mit ihm lange geschwätzt. Mais Jésus est plus beau encore, frère. Er war so schön. J'ai entendu les anges, les archanges parler. Ich habe Erzengel gehört, wie sie reden. J'ai vu le ciel. Ich habe den Himmel gesehen. Et Dieu va vous révéler. Je vous dis, frère. Und Gott wird euch offenbaren. Ils entendent quoi? La voix du Père. Sie hören die Stimme des Vaters. Le Père a parlé. Der Vater hat gesprochen. Celui-ci. Dieser hier. Celui-ci. Dieser hier. Celui-ci. Dieser Herr. Est mon fils. Ist mein Sohn. Écoutez-le. Hört ihn an. Oh, Alléluia. Hört auf ihn. Vous savez pourquoi beaucoup écoutent ce message? Wisst ihr, warum so viele diese Botschaft hören? Alors que nous sommes critiqués partout. Obwohl wir überall kritisiert werden. C'est parce que c'est le Père qui vous a parlé. Denn es Halleluja. Denn es ist der Vater selbst, der zu euch spricht. Le Père atteste. Der Vater bestätigt. Celui-ci. Dieser hier. Est mon fils. Ist mein Sohn. C'est pour ça que beaucoup m'ont des songes. Und deswegen haben viele von euch Träume. J'étais vu un songe. Je rigole, c'est vrai là. C'est le Père qui parle. Der Vater selber spricht. Halleluja. Amen. Plus les gens disent qu'il est un sorcier, plus le Père parle dans les songes, dans les visions. Je mehr die Leute sagen, das ist ein Hexer, umso mehr sehen Menschen Yahweh combattra pour Träume. Vous. C'est ça l'Evangile, frères et sœurs. Das Evangelium ist, Yahweh wird für euch kämpfen. Même ceux qui critiquent, ils n'ont pas le choix. Quand il y a des programmes, ils viennent quand même. C'est mal. C'est, tu ne peux pas. C'est la parole du moment. C'est les. Oh, hallelujah. Selbst diejenigen, die uns kritisieren, kommen trotzdem zum Erweckungsprogramm. Denn das ist das Wort des Tages. On ne redescend pas de la montagne les mains vides. Man kommt nicht vom Heiligen Berg herunter on mit leeren Händen. On redescend avec la gloire de Dieu. Man kommt vom Heiligen Berg mit Herrlichkeit Gottes. On redescend dans la gloire de Dieu. Man kommt mit der Herrlichkeit on Gottes. On redescend avec le ainsi dit l'Éternel des armées. Man kommt mit der Gegenwart des Heiligen Gottes. Dieu parle, qui ne prophétisera? Gott spricht, Dieu er soll parle, ja nicht prophezeien. Dieu Gott parle, spricht, qui n'annoncera l'Évangile? Wer soll da nicht predigen? Dieu parle, Gott spricht, wer soll da nicht das Evangelium verkünden? Les aveugles voient. Gott spricht, die Blinden Dieu werden parle, sehen. Les sorciers abandonnent la sorcellerie. Gott spricht und Dieu die Hexen sauberer werden nicht le sauberer réveil se met en place. Halleluja. Gott spricht und die Hexer werden die Zauberei verlassen. Dieu parle, des couples sont restaurés. Gott spricht und Ehepaare werden wiederhergestellt. Quitte la délinquance.
Gott spricht. Je parle. Und Kinder gehen aus der Kriminalität raus. Je parle. Gott spricht. Oh. Gott spricht. Notre génération a besoin de la parole de Dieu. Unsere Generation braucht das Wort Gottes. J'ai vu un homme, un frère est venu me voir au bureau. Ich habe einen Bruder gesehen, er ist zu mir ins Büro gekommen. Und der Herr sagt, sag ihm, er wird Minister werden. C'est pas pour faire la politique. Il fait pas la politique. Er sagt, er macht il keine Politik. Pays, on le nomme ministre. Er macht keine Politik. Er kommt zu mir zurück. Er ist in sein Land gegangen und wurde Minister. Und er kommt zu mir zurück und sagt, Halleluja! Ich bin Minister. Dieu parle. Gott spricht. Un frère vient me voir pour la prière. Ein Bruder kommt und möchte Gebet. Je dis quoi, frère? Ça, c'est les... on redescend avec la parole. Ainsi dit l'Éternel. Je dis, frère, c'est quoi? Man quel est le problème? So spricht der Herr. Bruder, was ist das Problem? Ça, je cherche un club. Je ich dis, bin bon, Fußballer. Il est parti là-bas, là, vers Dubaï, là-bas. Là. Il joue en première division. Là. Il appelle, il dit, je suis en première division. Mon manager suit TV de vie aussi. Er spricht, ich bin in der Bundesliga. Frère. In der französischen Bundesliga. Oh, Dieu d'Israël. Und il mein a, Manager hört auch TV. On vous envoie le billet pour venir annoncer l'évangile ici. À Dubaï là-bas, frère, à Barème, tout ça, là, Barème, je sais pas quoi, là. Frère, und er hat gesagt, bouger, ich möchte dich einladen, um das Evangelium bei unserer Fußballmannschaft zu predigen. Une femme était assise au sol comme ça, par terre. Elle voulait le baptême, mais ses jambes ne fonctionnaient pas. Eine Frau war auf dem Boden und wollte getauft werden, aber ihre Füße funktionierten nicht, ihre Beine. Je vais prendre le baptême. Ich habe gesagt, geh und tauf dich. Sa copine me dit, mais sa jambe. Sie sagt, aber meine. Dieu me dit, frôle les seulement comme ça. Meine Beine. Allez, il va prendre le baptême. Und ich habe sie angefasst. Elle s'est levée, elle est partie prendre le baptême. Und sie ist. Non, Dieu est trop fort. Sie ist aufgestanden und ist zur Taufe gegangen. Jesus. En fait, Moïse est redescendu avec Jésus. Mose ist mit Jesus zurückgekehrt. Les 10 paroles, c'est Jésus. Diese 10 Gebote sind Jesus. Posez-moi la question. Comment ça? Pourquoi? Mette mir die Frage, warum? Il est dit dans le psaume que la parole de Dieu a été éprouvée et 7 fois éprouvée. Im Wort Gottes steht, im Psalm steht, das Wort Gottes wird 7-mal getestet. Le chiffre 10. Le nombre 10. Die Zahl 10. Et le nombre de l'épreuve. Ist die Zahl der Prüfung. Donc les 10 commandements. Die 10 Gebote also. Sprechen von Jesus. La parole incarnée. Dieses fleischgewordene Wort. Das geprüft wurde. Et c'est pour cela la parole nous dit. Und deswegen sagt uns das Wort. Am Anfang war das Wort. La parole était avec Dieu. Das Gott war, Wort war mit Gott. Et la parole était Dieu. Und das Wort war Gott. Et cette parole s'est faite chair. Und dieses Wort ist Fleisch Elle geworden. Est descendue. Und ist gekommen wie Mose. Elle est descendue. Es ist auch heruntergekommen. Et là où la parole descend. Und als das Wort heruntergestiegen war. L'idolatrie est brisée. Und wenn einmal das là Wort gekommen ist, descend. Gibt es keinen Gott. La religion mehr. Est brisée. Die Religion wird zerbrochen. Il y en a ici, Dieu va les amener. Au ciel, ils vont recevoir des rouleaux, ils vont redescendre, on ne va plus les reconnaître. Ja, es gibt Menschen hier, die werden in den Himmel entrückt und werden Worte hören, diese der Erkenntnis. Il y en a ici que tu as appelé depuis l'éternité. Es gibt Leute hier, comme die Gott von Ewigkeit berufen hat als Botschafter und Botschafterinnen. Et Dieu vous a éprouvé par toutes sortes de souffrances. Und Gott hat euch durch alle Art der Leiden geprüft. Vous avez été beaucoup blessé par les hommes. Ihr wurdet sehr verletzt. Vous avez été beaucoup rejeté par les hommes. Ihr wurdet in euren Seelen sehr getroffen. Le temps. Und der Herr sagt, die Zeit. Le temps. Die Zeit. De la visitation. Des pour Besuchs, mon peuple est arrivé. Des Besuchs meines Volkes ist le gekommen. Temps de la restauration est arrivé. Die Zeit der Wiederherstellung ist gekommen. Tu n'auras plus besoin de prier pour les malades à tel point que ta présence, parce qu'elle est accompagnée par de Dieu, elle est accompagnée de Dieu, ta présence va opérer des choses au nom de Yeshua. Du wirst nicht mehr für Kranke beten müssen, denn schon deine Gegenwart wird die Kranken heilen. Frère, écoutez. Brüder, hört. Je suis excité par tout ce que Dieu me montre. Ich bin so aufgeregt, ce moment,
durch alles, was der Herr mir im Moment zeigt. Vous allez voir parmi vous là. Écoutez bien, dans ce vent, ihr werdet sehen, dass unter euch Menschen gibt. Ihr werdet sehen, dass manche von euch den Zug nehmen und Menschen werden ihre Sünden bekennen. Vous allez au travail comme ça, vos collègues par terre. Ihr fahrt in die Arbeit und eure Kollegen werden auf dem Boden sein. Une sœur est venue de Tahiti. Eine Schwester aus Tahiti ist gekommen, um dieses Erweckungsprogramm zu hören. On a prié pour elle au nom Yeshua. Und wir haben für sie gebetet im Namen Yeshua. Elle est rentrée à Tahiti. Sie ist nach Tahiti zurückgekehrt. Elle va travailler. Elle va und arbeitet. Ses collègues lui disent, tu as changé. Und ihre Kollegen haben zu ihr gesagt, du hast dich geändert, was ist los mit dir? Jésus. Und sie, elle commence à prêcher Jésus. Sie hat Jesus gepredigt. L'onction est venue sur tout le monde. Und die Salbung kam auf alle. Elle a fait plus de 10 baptêmes. Mehr als 10. Maintenant à Tahiti, on veut des missionnaires. On nous dit, envoyez des missionnaires. 10, envoyez-nous des missionnaires. Moi, je ne peux pas aller partout. Mais vous irez, frères et sœurs. Alléluia! Wow. Und wenn ab jetzt Leute zu mir kommen und zu uns sagen, schickt uns Missionare, wir können nicht überall sein, ihr selber könnt gehen. Merkt ihr nicht im Geist, dass Dinge vor sich gehen im Moment? Eh bien, c'est des rouleaux qui tombent du ciel. Das sind diese Schriftrollen, die vom Himmel fallen. C'est des rouleaux qui tombent. Schriftrollen. C'est des rouleaux qui tombent. Schriftrollen fallen. 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 Et plus les rouleaux tombent, und je mehr Schriftrollen fallen, plus tu vas prier. Umso mehr wirst plus du tu vas pleurer devant Dieu. Umso mehr wirst du weinen pour les âmes qui se perdent. Für die Seelen, die verloren plus les rouleaux tombent. Je mehr Schriftrollen plus fallen. Tu vas gémir pour les prostituées. Umso mehr wirst du für Prostituierte weinen. Für Drogenabhängige weinen. L'amour pour les âmes va augmenter en toi. Die Liebe für die Seelen wird la in dir steigen. Compassion pour les malades. Das Mitgefühl für die Kranken. Et les gens ne vont plus te reconnaître. C'est alors que la gloire va commencer à éclater partout. Die Herrlichkeit wird strahlen. Mes amis, meine Freunde, vous savez ce que Dieu nous dit? Wisst ihr, was Gott uns sagt? Nous ne sommes pas les seuls à vivre ces choses. Vous allez les vivre de plus en plus frais. Écoutez bien. Wir sind nicht die Einzigen, die diese Dinge sehen. Dieu dit, Gott vous, sagt, vous ne pourrez plus être dans les salles. Gott sagt, ihr könnt dans les, nicht dans mehr, les salles, c'est fini. Ihr dürft euch nicht mehr in Sälen versammelt. Ihr müsst euch draußen versammeln. L'image que l'on a, c'est des foules. Des foules. Des foules. Und das Bild, das wir vor uns haben, sind dans Mengen. Mengen von Menschen im Park. Vous allez voir ça, frère. Regardez le nombre ihr que werdet das sehen, il y a Brüder. Il y a plus de place. Il y a plus de place. Es gibt keinen Platz mehr. C'est fini. C'est fini. Un puissant vent de réveil, frère et soeur. Ein mächtiger Wind der Erweckung weht. Dieu va tellement surprendre ses enfants. Gott wird seine Kinder so sehr überraschen, que beaucoup de membres de vos familles vont commencer à vous fuir. Viele eurer Familienmitglieder werden nichts mehr mit euch zu tun haben wollen, weil ihr so heilig seid. Vous avez vu Moïse? Habt ihr Mose gesehen? Quand il est redescendu de la montagne, als er vom Berg herunterkam, son visage brillait. Hat sein Gesicht strahlt. Et les autres, ils avaient peur. Aaron und die anderen hatten, frère, hatten soeur, Angst, Brüder und Schwestern. La gloire qui arrive, die Herrlichkeit, die kommt, wird so sein, on va vous traiter de sorciers, de magiciens. Dass man euch als Hexer und Zauberer bezeichnen wird. On va vous inviter sur des plateaux de télé ici en Allemagne. C'est une parole qui va s'accomplir. Les gens voudront savoir ce qui se passe. Die Leute werden kommen und wissen wollen, was los ist. Ça va être grave. Es wird Wahnsinn sein. Je vois des foules qui accourent de partout. Ich sehe Mengen von Menschen, die je von vois des überall malades herkommen. Que l'on porte comme ça sous les brancards. Ich sehe kranke Menschen, die man auf Tragen herbeibringt. Et je le vois se lever, sans que personne ne le touche. Und die Leute Jesus werden aufstehen, ohne dass jemand sie anfasst. Halleluja. Rien que par la prière des saints. Nur durch das Gebet der Heiligen. Frères, sœurs, écoutez bien. Brüder und Schwestern, hört zu. Le Seigneur est en train de briser Babylone. Der Herr bricht Babylon. Il est en train de sortir son peuple de là. Der Herr führt sein Volk aus oh, Babylon. Oh, l'armée de rachetés, prépare-toi. Er führt dich heraus, bereite dich vor. Et je vois des anges qui donnent des vêtements à ces chrétiens. Und ich sehe Engel, die diesen Christen Kleider geben. Et je vois ces femmes qui priaient à l'époque,
qui étaient dans le réveil, qui ont connu le réveil passé, et je le vois de nouveau intercéder avec leur cœur pour les âmes, pour les nations. Und ich sehe diese Frauen, die früher gebetet haben für Erweckung, dass sie wieder eintreten im Gebet. Et je vois des frères et sœurs recevoir des chants nouveaux. Und ich sehe Brüder und Schwestern, die neue Lieder bekommen. En esprit. Geistliche Lieder. Ça va être quelque chose de grandiose. Es wird Grandioses passieren. Regardez bien, pendant des années, Dieu nous a demandé d'arracher, d'abattre. Pendant des années, Dieu nous a demandé d'arracher, d'abattre. Viele Jahre lang hat Gott uns, wollte Gott von uns, dass wir ausreißen und zerstören. Et aujourd'hui, on commence à voir l'œuvre que Dieu fait dans les cœurs des frères et sœurs. Und heute erst sehen wir dieses Werk, das der Herr in den Herzen der Menschen angefangen Écoutez hat. Bien, des gens viendront vous voir pour vous dire, priez pour nous. Leute werden zu euch kommen und zu euch sagen, bitte vous betet direz, für uns. Nous ne sommes pas prophétesse, pasteur, apôtre. Und ihr werdet sagen, ich bin aber kein Ils Prophet diront, und Apostel und Pastor. Aber die Leute werden erkennen, da es gibt was prier, ganz voir, Besonderes in deinem Leben. Dieu va vous surprendre. Gott wird euch überraschen. Vous allez dormir comme ça, Dieu viendra vous voir et vous donnera les adresses des gens. Allez dans telle maison, allez parler. Ihr werdet schlafen und Gott wird euch im Traum eine Adresse zeigen, da sollst du hingehen, um für den zu beten. Habt, dass ihr es macht. Vous ne voyez pas que la terre es ist eine Gnade. Seht ihr nicht, dass die Erde zittert? Le nombre de personnes que Dieu attire. C'est pas moi, c'est l'esprit. C'est le temps. Seht ihr die Anzahl an Menschen, die Gott herbeiführt? Oh, il y aura des bouleversements. Es wird Umkehrungen. Personne ne peut geben. Contrôler ce vent. Niemand kann diesen Wind kontrollieren. Personne ne peut le gérer. Niemand kann diesen Wind festhalten. Et on va découvrir Jésus-Christ autrement. Und man wird Jesus Christus on va neu découvrir entdecken. Le lion. Man wird on den va découvrir l'agneau. On va découvrir le lion de Juda. Man wird den Löwen von Juda entdecken. Oh, und das Halleluja. Lamm Gottes. Amen. Dieu dit, mon peuple ne pleure pas. Gott sagt, mein Volk weint à nicht. Cause des médecins. À cause de condamnation. Wegen der Ärzte. À cause des paroles des hommes. Wegen der Verurteilungen, wegen der tu Worte Menschen. Tu n'as pas encore accompli l'œuvre de Dieu. Tu ne mourras pas là, au nom de Yeshua. Oh! Alléluia! Du hast non, das non, 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 non. Du hast das Werk Gottes noch nicht getan und kannst deswegen noch nicht sterben. Je dis au Seigneur, Seigneur, ne ich habe zum pas Herrn encore. Gesagt, Herr, je veux, nimm mich noch nicht weg. Par ton esprit, par ta grâce, amener le plus d'âmes dans le ciel. Ich möchte durch deinen Geist und durch deine Gnade möglichst viele Frère, Menschen in den Himmel bringen. On va voir des amoureux, Brüder und Schwestern. Des amoureux de Jésus. Wir werden Verliebte on va Jesu Christi des sehen. Frères et sœurs passionnés de Jésus de Nazareth. Brüder und Schwestern, die voll Leidenschaft ils brennen vont prendre leur Bible, se mettre dans un coin, la méditer en pleurant. Sie werden ihre Bibel nehmen und in einer Ecke studieren und weinen dabei. C'est le temps. Das ist die Zeit. C'est le temps. Die Zeit ist da. Et je vois ces ministères, und ich sehe diese Dienste, diese Brüder und Schwestern. Le veau d'or. Ich werde sie sehen, wie sie dieses Mammon, goldene Kalb et nehmen. Le fouler comme ça, là. Diesen Mammon, dieses Geld und je mit den Füßen treten. Sœurs, prendre le veau d'or. Ich sehe le die Brüder sexe, und Schwestern. Et le fouler comme ça, là. Und dieses goldene Kalb nehmen den Sex und mit den Füßen treten. Dieu dit à quelqu'un ici, quelle que soit la salle que tu vas prendre, il y aura toujours des gens, tu seras dehors. Dieu nous met dehors, dehors, il nous met Gott dehors. Gott sagt zu jemandem im Saal hier, egal welchen Saal du mietest, du sollst draußen sein. Après ce programme, beaucoup, on ne va plus les reconnaître ici. Nach diesem Programm wird man viele nicht wiedererkennen. C'est ce que Dieu vient de me montrer ici. Gott zeigt mir das. On ne va pas. Ton amour. On ne va plus te comprendre, te cerner. On va dire, mais qu'est-ce qui lui est arrivé là? Qui t'a piqué? Man wird dich nicht mehr verstehen. Was ist mit dem l'amour, los? L'amour pour das Dieu, die Liebe Gottes Dieu, in deinem Herzen. Dieu. Die Liebe für Gott. Je vois beaucoup de pasteurs. Und ich werde viele Pastoren qui sehen. Qui sont vraiment appelés par Dieu. Die wirklich von Gott berufen je sind. Je le vois être restauré par Dieu. Ich sehe, wie sie, je le vois, wie sie wieder revenir à la maison du Père. Wiederhergestellt von Gott sind. Et se mettre à prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Sie werden ab jetzt dieses Evangelium des Königreichs Gottes predigen. Mes amis, et après ce vent de réveil, écoutez bien.
nach diesem Erweckungswind. Je vous dis de la part du Seigneur, ça là, c'est le dernier vent, c'est le dernier vent. Ich sage euch vom Herrn. Ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de vous. Dies ist der letzte Wind der Erweckung. Ce n'est pas seulement à Paris, c'est dans les nations. Es ist nicht nur in Paris, sondern in allen Nationen der letzte Wind der Erweckung. Et après ce vent. Und nicht nach diesem Wind. Je vois des chrétiens monter. Sehe ich, wie Christen aufsteigen. La dernière trompette retentira et die letzte Posaune wird blasen. Des couples partir avec leurs enfants. Und ich sehe, wie Ehepaare mit ihren Kindern auffahren. Je vois des femmes partir avec leurs enfants. Ich sehe Frauen mit ihren Kindern auffahren. Je vois des femmes partir avec leurs bébés. Ich sehe Frauen mit ihrem Baby auffahren. L'enlèvement de l'église. Die Entrückung der Gemeinde. Et je vois ce peuple devant le tribunal de l'agneau recevoir chacun sa couronne. Und ich sehe diese Völker vor dem Gnadenthron, vor dem Gericht des Lammes. Je vois la table des noces. Und jeder bekommt seine Krone. Je vois les Michael et Gabriel qui se mettent à nous servir à manger. Und ich sehe Michael, Gabriel, wie sie den Heiligen servieren, den Christen. Je vois d'autres dans les bras du Père. Und ich sehe manche le Leute les caresse. In den Armen Gottes. Il leur dit que tu les aimes. Und der Vater streichelt et sie und sagt, je le ich vois liebe pleurer dich. De joie. Und ich sehe, wie sie voller je le vois chanter des chants nouveaux. Voller Freude weinen. Und les ich noces. Sehe, wie sie neue Lieder je singen. Vois l'armée des cieux. Je vois les archanges en train de jouer de la harpe. Des instruments de musique. Jesus! Il est là! Il est présent. Ist da, ist gegenwärtig. Je vois des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves. Ich sehe Ströme des lebendigen Wassers, Ströme des lebendigen Wassers. Qui sortent du trône du Père. Ströme, die vom Thron Gottes kommen. Et je vois les enfants du Père. Und ich sehe die Kinder en train d'adorer le Père des Esprits. Die Kinder, die den Vater im Geist anbeten. Et je vois Dieu essuyer nos larmes. Und ich sehe, wie Gott unsere Tränen trocknet. Je vois le Père qui nous dit, je vous ai toujours aimé. Ich sehe den Vater, wie sagt, ich habe euch je ne vous ai jamais délaissé. Ich habe euch niemals abandonné. Verlassen. Ich habe euch niemals verlassen. Et je vois ces chrétiens avec des couronnes de gloire. Und ich sehe diese Christen mit der Krone der Herrlichkeit. Je vois ces femmes qui avaient annoncé l'évangile recevoir des couronnes de feu. Und ich sehe diese Frauen, die das Evangelium weitergeben mit Kronen. Et je vois l'agneau de Dieu. Und ich sehe das Lamm Gottes. Qui nous amène dans son jardin d'amour. Der uns in seinen Garten der Liebe führt. Il nous arrose de son eau pure. Er gießt auf uns dieses heilige, dieses reine Wasser aus. Et je vois des chrétiens. Und ich sehe Christen, ensemble avec Elie, die zusammen mit Elia, avec Jacob, mit Jakob, avec Joseph, mit Josef, avec Miché, mit Micha, avec Esaïe, mit Jesaja, avec Paul, mit Paulus, Pierre, Petrus, Jacques, Jean, Jakob, Jude, Johannes, Alléluia. Judas, je vois, pendant l'éternité, ich sehe in Ewigkeit, nous sommes dans la maison du Père. Wir sind im Haus Gottes, nous sommes im dans Haus la maison du Père. Im Haus des Vaters. Dans ses bras d'amour. In seinen Armen der Liebe. Il nous serre contre sa poitrine. Er drückt uns an seine Brust. Et toutes les douleurs s'en vont. Und alle Schmerzen werden vergehen. Les blessures. Alle Schmerzen. Les rejets. Alle la mort Abstoßen. A disparu. Les souffrances ont disparu. Die Leiden werden verschwunden sein. Je t'aime ma fille, te dit le Père. Je t'aime mon enfant. Ich liebe dich, meine oui, Tochter. Je t'aime, toi que j'appelle. Ich liebe dich, mein Kind. Oui, toi que je fais te placer de loin. Je te connais. Ich kenne dich, du von weit her. Je vois la nouvelle Jérusalem. Ich sehe das neue Jerusalem. Des rues en or. Straßen von Gold. Je vois des perles partout. Ich sehe überall Perlen. Et nous mangeons les mets du roi. Und wir werden die Mahlzeiten Gottes les fruits essen. Célestes. Himmlische Früchte. Oh Père. Oh Vater. Oh Père. Oh Vater. Et Dieu vient. Und Gott il essuie kommt. Tes larmes. Und er wischt deine Tränen ab. Il te dit, tu as assez pleuré. Und er sagt, du hast so viel geweint. Tu as assez pleuré.
Du hast zu viel geweint. Tu as assez pleuré. Du hast zu viel geweint. Mon enfant. Mein Kind. Mon enfant. Mein Kind. Mon enfant. Mein Kind. Mon enfant. Mein Kind. Sais-tu pourquoi je permets tes combats? Weißt du, warum ich deine Kämpfe erlaube? C'est pour te préparer à être dans ma gloire. Um dich vorzubereiten, in meiner Herrlichkeit zu sein. Toi que je, qui voulais que je te parle ce matin. Du wolltest, dass ich zu dir spreche heute. J'ai entendu ta prière. Ich habe dein Gebet gehört. Pour tes enfants, j'ai entendu tes prières. Das Gebet, das du für deine Pour Kinder, tes parents, j'ai entendu ta prière. Kinder gebetet hast, dass du für deine Eltern gebetet hast. Ma fille. Meine Tochter. Ma fille. Meine Tochter. Toi qui es venu de Strasbourg. Du bist aus Straßburg ma fille. Gekommen. Meine Tochter. Ma fille. Meine Tochter. Je te renverrai dans ton île. Ich werde dich wieder zurücksenden. Pour annoncer ma parole. Um mein Wort Je te renverrai dans ton pays. Ich werde dich in dein Pour Land parler senden, à la jeunesse. Um zu den jungen Leuten zu sprechen. Apprends à jouer d'un instrument pour moi. Damit Une guitare, sie un piano. Car tu vas chanter pour moi. Spielen. Tu vas chanter pour moi. Du wirst für mich singen. Tu vas chanter pour moi. Du wirst für mich singen. Tu vas chanter pour moi. Du wirst für mich singen. Tu vas m'adorer. Du wirst anbeten. Le ciel nous attend. Der Himmel wartet. Le ciel nous attend, mes amis. Der Himmel wartet auf uns. Nous allons rentrer à la maison bientôt. Wir werden bald nach Hause kommen. Il revient nous prendre. Er kommt, um uns zu holen. Il revient nous chercher. Er kommt, um uns zu holen. Délaissons nos veaux d'or. Lassen wir unsere goldenen Kälber. Le monde. Die la Welt. Convoitise. Die Begierden. Le péché. Die Sünden. La haine. Der Hass. Le mensonge. Die Lüge. Abandonnons le péché. Verlassen wir die Sünde. Et venons à lui. Und kommt zu ihm. Oui, ce pasteur t'a beaucoup blessé. Ja, dieser Pastor hat dir sehr tu weh chantais getan. Dans cette église. Du hast in dieser Gemeinde Et gesungen. Tu as été beaucoup blessé. Aber du wurdest sehr verletzt. Ma fille. Meine Tochter. Mais je ne te blesse pas. Je t'aime. Ich liebe dich. Je ne t'ai pas oublié. Ich habe dich nicht vergessen. Aujourd'hui, c'est ton jour. Heute ist dein Tag. Pour te confirmer que je te connais. Tu es là. Je t'ai déjà donné des songes par rapport aux orphelins, aux veuves. Gott hat dir Träume gegeben bezüglich der Waisen. Une autre personne ici à qui Dieu a parlé comme ça. Weise und Witwen. Il est temps que tu te lèves pour moi. Es ist Zeit, dass du für mich aufstehst. Il est temps que tu te lèves pour moi. Es ist Zeit, dass du aufstehst für mich. Il est temps. Es ist Zeit. Depuis quelque temps, tu sens dans ton cœur comme la colère par rapport au péché. Seit einiger Zeit fühlst du in deinem Herzen so einen Zorn über die Sünde. Du verstehst nicht, warum. Der Herr sagt dir, es ist mein Geist, der über dich kommt. Je suis en train de te visiter comme ça. Ich besuche dich. Il y a une œuvre à faire au sein de la jeunesse. Es ist ein Werk zu tun, mitten unter den Jugendlichen. Une œuvre à faire. Ein Werk zu tun. Tu gémis devant mon trône pour la jeunesse. Tu pleures devant du mon trône, mon fils. Du weinst vor meinem Thron, mein Sohn, für die Jugend. J'entends tes larmes. Ich höre deine. J'entends tes prières. Ich höre deine. Ich sehe deine Tränen. Ich höre deine Gebete. C'est toi que j'appelle. C'est toi que j'ai choisi. Dich habe ich berufen. Ich habe dich erwählt. Dieu appelle des Moïse modernes. Fils, Gott dit le Seigneur, beruft fils, moderne Moses. Mon fils, tu es là. Voici ma main sur toi. Ich habe Voici meine ma main Hand sur toi. Auf dir. Ich habe meine Hand auf dir. C'est aussi ton jour. Es ist dein Tag. Tu as reçu ma parole. Du hast mein Wort erhalten. Tu as reçu ma parole. Du hast mein Wort bekommen. Va et libère la jeunesse.
Geh und setz es frei. Le Père dit. Der Vater sagt. Ceux qui vont annoncer ce message. Diejenigen, die diese Botschaft verkünden. Ce sont les hommes et les femmes. Sind Männer und Frauen. Que j'ai pris de la terre. Die ich aus Erde gemacht habe. Amené au ciel. Die ich von der Erde genommen habe. Des hommes et des femmes in à qui j'ai révélé mes secrets. In dem Himmel geholt. Männer und Frauen, denen ich meine Geheimnisse offenbart habe. Ils ont vu les archives célestes. Sie haben diese himmlischen Dinge geschmeckt. Et ils redescendent pour parler de ma part. Und sie kommen herunter, um von mir On zu va sprechen. Les persécuter. Man wird sie verfolgen. On va les rejeter. Man wird sie abstoßen. On va les blesser. Man wird sie verletzen. Mais mon esprit les dirigera. Aber mein Geist wird sie dirigieren, führen. Je veux de nouveau t'amener au ciel. Ich werde dich nochmal in den Himmel entheben, meine Je veux de Tochter. Nouveau t'amener au ciel, mon ich fils. Werde dich weit nochmal entrücken in den Je Himmel, mein révéler Sohn. Mes secrets. Ich werde meine Geheimnisse Je veux te montrer zeigen. L'état de ton pays. Ich werde dir zeigen, auf Afin welchem Stand que tu dein Land ist. Devant moi pour ta nation. Damit du für deine Nation vor meinem Thron betest. Ma main se pose sur mon peuple. Meine Hand legt sich auf mein Volk. Tu vois toutes ces âmes qui vont en enfer chaque seconde? Siehst du jede Sekunde mon diese cœur pleure, dit l'Esprit de diese Dieu. Menschen, die in die Hölle mon gehen. Mon cœur pleure. Mein Herz weint. Ces jeunes prostituées, ces jeunes drogués. Diese jungen ces jeunes insouciants. Diese jungen Prostituierten. Qui meurent, qui vont en enfer. Die sterben und in die Hölle gehen. Mais c'est toi mon armée que j'appelle. C'est toi mon fils. C'est und toi dich, ma fille. C'est toi que j'appelle. Voici mon onction sur toi. Voici mon feu ich sur toi. Berufen. Ich habe dich berufen. Mein Feuer ist auf dir. Il y a des ministères d'Élie ici. Il y a des ministères qui ont le manteau d'Élie ici là. Unter uns ici, sind là. Dienste Elias. La grâce que Dieu m'a accordée vient sur vous aussi en même temps au nom de Yeshua. Que die Dieu Gnade, die Gott vous utilise puissamment, que ce réveil se répande. Voici le feu de Dieu. Dieses Erweckungsfeuer über euch. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, il y a un fleuve qui commence à couler en ce lieu pour attester l'appel que tu as reçu. Pour attester l'onction que tu as reçue afin d'aller crier. Die Salbung Gottes, die du empfangen hast, zu schreien. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu prophétisais avant. Maintenant, il n'y a plus de prophétie pratiquement. Voici l'onction prophétique. Voici la régénération de ton temps. Früher hast du prophezeit, aber jetzt wird es eine andere Prophetie sein. Die Salbung ist auf dir. Fini la distraction. Jeune fille. Die Ablenkung ist vorbei. Fini la distraction, Dieu t'appelle. Junge Frau, Gott ruft dich. Keine Ablenkung mehr. Les Moïse. Die Mose. Tous les Moïse qui sont ici, l'onction vient sur Alle Mose, die hier sind, die Salbung Gottes Tous kommt les ministères euch. Qui sont appelés pour libérer les âmes. Alle diese oh! Dienste, die berufen sind Voici und l'onction de Dieu. Rein. Die Salbung Jesus. Gottes kommt auf oh, euch. Oh, alléluia. Alléluia. L'autorité royale. Die königliche Autorität. L'autorité de la parole de Dieu. Die Autorität des Wortes L'autorité Gottes. Pour la prédication de la parole de Dieu. Die Autorität des Predigt des oh, Wortes alléluia. Gottes. Tu vas aller proclamer l'évangile de plus en plus sur Facebook. Du wirst das Evangelium sociaux, mehr und mehr auf Facebook YouTube, verkünden. Dailymotion, auf YouTube, partout. Dailymotion, überall. La
La mort quitte quelqu'un ici. Der Tod verlässt jemanden hier. Quitte cette dame. Verlass diese Frau. Quitte-la. Verlass sie. Quitte-la maintenant. Verlass sie jetzt. Je ne veux plus t'entendre. Ich möchte dich nicht mehr hören. Sors de son corps maintenant. Verlass ihren Körper jetzt. Sors de ce jeune homme aussi au nom de Jésus. Verlass diesen Mann. Sors de ce corps de cette femme. Démon. Je veux te voir sortir. Sors comme ça, voilà, sors. Dieser Dämon muss gehen. Tous les démons vont sortir maintenant ici là. Il y a une onction pour ça. Alle Dämonen werden euch verlassen. Il y a une onction pour ça. Es ist eine Salbung dafür. Les maris de nuit, femmes de nuit que je vois ici là. Männer der Nacht, lâche-le. Frauen der Nacht. Sur la croix, Yeshua a triomphé. Das Kreuz Jesu hat triumphiert. Oh. Je sais que tu me hais. C'est dich. Ich weiß, dass du mich hast. C'est quoi ton nom, démon? Weil, ton nom, au nom de Yeshua. Wie heißt du? Oh, Dieu d'Israël. Il se passe des choses ici. Oh, Gott Israels. Jesus. C'est pas fini. Vous inquiétez pas, restez en prière. Il y a d'autres démons qui vont sortir là. Vous croyez que le Seigneur peut le délivrer? Alléluia, gloire à Dieu. Herr. Je vous dis qu'il y a eu une autre personne, il y a eu une femme. Son âme a déjà été prise. Es gibt eine andere Person in diesem Raum und seine Seele wurde schon weggenommen. Tu sens toi-même la mort venir vers toi. Du merkst, wie der Tod sich dir nähert. Tu fais des cauchemars. Du machst Albträume. Oh, Dieu de gloire. Gott der Herrlichkeit. Oh, Dieu de gloire. Quitte ma sœur, démon de mort, quitte-la. Quitte Gott ma sœur. Gott der Herrlichkeit. Quitte-la. Quitte-la là où tu es. Schwester, verlass sors d'elle au nom de Yeshua. Im Namen Jesu Christi. Les gens de ta famille ont fait une réunion pour te tuer. Dieu vient te rendre libre. Dieu vient te rendre libre. Die Leute sind gekommen, um dich zu töten. Aber Gott macht dich frei. Dieu s'en occupe. Amen. Il s'en occupe. Gott kümmert sich darum. Amène-la-moi là. Amène-la-moi. Bringt sie mir her. Bringt sie mir. Viens, viens. C'est un gros serpent qui t'entoure comme ça, il va partir dans Yeshua. Eine große Schlange ist bei dir. Sie wird dich verlassen. Oh, Dieu de gloire. Lâche-la. Verlass sie. Des paroles de malédiction avaient été libérées contre toi. Voici ta délivrance. Oh, Dieu de gloire. Fluchworte werden über dich ausgesprochen. Higeri. Ne vous inquiétez pas de lui, laissez Dieu s'en occuper. C'est entre Dieu et lui. C'est ce qu'il m'a dit. Es ist Gott, der befreit. Oh Dieu de gloire. Gott der Herrlichkeit. Dieu guérit ton cœur blessé. Il y a un mari de nuit ici. Ein Mann der Nacht ist hier. Qui est en train de se moquer de moi, de m'insulter. Er beleidigt mich. Un mari de nuit. Lästert über mich, ein Mann der Nacht. Qui vient souiller cette personne. Er verschmutzt diese Person. Qui vient te souiller tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jedes Mal verschmutzt er diese Person. Le Seigneur te rend libre. Der Herr macht dich frei. Et définitivement. Für immer. Cette présence que tu ressens, la bizarre, cette présence malsaine. Diese unheilige Gegenwart, die du spürst. Quitte ta vie et ta maison aujourd'hui au nom de Yeshua. Verlass dein Leben und dein Haus heute für immer. Au nom de Yeshua. Im Namen Jesus. 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 Au nom de Yeshua.
Im Namen Au nom de Jésus de Nazareth. Im Namen Jesu von Nazareth. Sors d'elle. Verlass sie. Oh Dieu de gloire. Gott der Herrlichkeit. Sors de cette femme. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Verschwindet von diesem Mann, verschwindet. Sort d'elle. Verschwindet Bitte von ihr. Verlass sort. Sie. Geh raus. Quitte-la, au nom de Jésus. Sort d'elle. Verschwinde von ihr. Sort d'elle, au nom de Jésus. Verschwinde von ihr. On peut acclamer le Seigneur, c'est un démon terrible. Voilà. Lâche-la! Au nom de... Im Namen Jesus. Alléluia! Jesus. Oh! Fini! Es ist vorbei. Tu vas vomir tout ce démon là. Er wird diesen Dämon voilà. ausspucken. Fini, jeune homme. Ta souffrance prend fin aujourd'hui, définitivement. Voilà. Es ist vorbei, das Leiden ist vorbei. Péché. Il y a une autre personne. Au niveau de ton ventre. Es gibt eine andere Person. Und in deinem Bauch. Tu sens depuis quelque temps comme s'il y a quelque chose qui tourne autour de... Dans ton ventre, là. Du merkst, wie etwas sich in deinem Bauch bewegt. Il y a effectivement quelque chose. Da ist wirklich was. Le Seigneur pose sa main là, au niveau de ton ventre. Der Herr legt seine Hand auf deinem Bauch. C'est un démon qui veut provoquer un cancer de l'utérus. Das ist ein Dämon, der einen Gebärmutterkrebs hervorrufen möchte. Il veut te tuer par ce cancer. Er möchte dich durch diesen Krebs töten. À cause de la jalousie qu'on t'a envoyé cette maladie. Wegen Eifersucht kam diese Krankheit. Le Seigneur te rend libre également. Der Herr macht dich frei. Là où tu es assise. Da wo du bist. Au nom de Yeshua. Im Namen Yeshua. Au nom de Yeshua. Im Namen Yeshua. C'est bon pour toi. C'est bon pour toi. Dieu te console. Oh. Der Herr tröstet dich. Lâche cette femme. Verschwinde aus dieser Frau, lass sie los. Lâche son ventre. Lass ihren Bauch los. C'est un ordre que je te donne. Au nom de Yeshua. Mm-hmm. Im Namen Yeshua. Elle là, c'est un esprit humain. Bei ihr ist es ein Menschengeist. Cet esprit humain utilise son corps, son esprit. Und dieser Menschengeist benutzt ihren Körper und ihren Geist. C'est quelqu'un qui est proche d'elle. Mm-hmm. Les gens souffrent. Hein? Die Leute leiden sehr. Ah. Mm. Père, merci au nom de Yeshua. Vater, danke im Namen Jesus. Quel est ton nom? Ton nom? Was ist dein Name? Wie heißt du? Cette femme servira le Seigneur. Diese Frau wird dem Herrn dienen. Tu n'as plus aucun droit dans ce corps au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Aha. Quel est ton nom? Ma femme! Je l'ai épousée! Meine Frau, ich habe sie geheiratet. Sie ist meine Frau. Ma femme! Sie ist meine Frau. Meine Frau. On a compris. Je la laisse pas. Ich lasse sie nicht in Vous Ruhe. Pensez que le démon ne va pas partir là? Glaubt ihr, dass dieser Dämon geht? Est-ce que moi je peux le chasser? Est-ce que vous pouvez le chasser? Qui Können peut le chasser? Jesus. Au nom de Jesus kann ihn vertreiben.
Maintenant, nous allons proclamer le divorce. Wir werden nous allons Scheidung prononcer einreichen. Le divorce. Wir werden die Scheidung au nom de einreichen. Jésus. Voilà. Im Namen Jesus. Ce démon vient coucher avec elle la nuit. Dieser Dämon kommt und schläft mit ihr in der Nacht. Bon. Maintenant, nous allons devant le trône de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, établis par le Seigneur, nous tous, hein, les peuples composés de rois, hein, alléluia. Amen. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Ouf. Il y a une pluie qui tombe sur toi là. Oui. Oh, alléluia, oh, alléluia. C'est magnifique ça, c'est glorieux. Au nom de Yeshua. Im Namen Jesu. Le divorce est proclamé aujourd'hui, prononcé aujourd'hui. Heute reichen wir die Scheidung ein. Tu viens au nom de Jésus-Christ. Et tu n'occupes plus ce corps là, fini. Du wirst nicht mehr diesen Körper besetzen. Ton règne est fini aujourd'hui. Deine Regierung ist aus heute. À genoux. Knie dich hin. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Viens. C'est réglé. Jésus a tout réglé. Es ist geregelt. Donne-moi ta main. Jesus hat alles geregelt. Non. Bist du verheiratet? Maintenant, tu vas te marier. Amen. Jetzt wirst du heiraten. Halleluja! C'est bon. À moins de deux ans, tu vas te marier. À moins de deux ans, tu vas te marier. Et... À moins de deux ans, tu vas te marier. Au nom de Jésus. Voilà. In weniger als zwei Jahren wirst du heiraten. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Doudou. Je ne peux pas rester indifférent dans sa présence. Ich kann in seiner Gegenwart nicht gleichgültig bleiben. Tous ensemble, Seigneur. Ton esprit souffle. Seigneur, tous ensemble. Ton amour me touche. Deine Liebe berührt mich. Je ne peux devant toi rester. Ich kann vor dir nicht gleichgültig bleiben. Le Seigneur te pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Der Herr stellt dir die Frage. Tu as tellement pleuré. Was möchtest du, dass ich für dich tue? Tu pleures tellement. Du weinst so viel. Le Seigneur te dit, je te connais. Der Herr sagt, ich kenne dich. Je te guéris. Ich werde je dich te heilen. Sauve. Ich rette dich. Dieu te donne encore des enfants. Gott gibt dir noch Kinder. Au nom de Yeshua pour sa gloire. Im Namen Yeshua zu Il seiner te dit, Herrlichkeit. Prends courage. Er sagt zu dir, habe oh, Mut. Dieu d'Israël. Même des enfants que tu n'auras pas eu, tu vas les nourrir au nom de Yeshua. Alle diese Kinder, die du nicht hattest, wow. wirst du, denen wirst du Essen geben. Fini cette souffrance là. Dieses Leiden ist auch zu Ende. Cette maladie sort de ton corps maintenant au nom de Yeshua. Je veux que tu la quittes. Diese Krankheit Quitte verlässt corps, deinen Körper. Verlass ihn. Tu l'as fait souffrir au nom de Yeshua. Du hast sie so viel leiden lassen. C'est une malédiction qui a été lancée contre toi, ma sœur. Aujourd'hui, Dieu la brise au nom de Yeshua. Dieser Fluch, der gegen dich ausgesprochen wurde. Purifie ton sang. Il enlève ton sang, il change ton sang. Il guérit tes organes, il guérit ton âme, ton cœur, ton estomac. Er heilt dein Blut, er heilt deine Seele, er heilt deinen Körper. Oh Lord! Im Namen oh, Jesus. Dieu de gloire! Oh Dieu d'Israël! Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Les médecins vont être étonnés, dépassés là. Je te dis, là, au nom de Yeshua, tout ça là. Brise la puissance de cancer, tout ce qui n'est pas de Dieu. Il brise.
brise tout ça dans le nom de Yeshua. Gott bricht diese Macht des Krebses. Repars voir les médecins. Dieu t'a redonné le corps d'une femme de 30 ans, on a dit Yeshua Nazareth. Alléluia. Gott, oh, Dieu de gloire, alléluia. Den Körper einer Frau mit 30 Jahren. Il est magnifique, le Seigneur de gloire. Il te console, mon frère. Il te console, mon frère. Bruder, er tröstet dich. Il entend ta prière. Il a exaucé ta prière. Au nom de Yeshua. Er hört dein Gebet. Une malédiction familiale que Dieu vient de briser. Au nom de Yeshua. Eine Familien. Tu ne mourras pas. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Au nom de Yeshua. Ein Familienfluch bricht Gott in dieser Familie. Wow. Wow. Oh. Il y a une onction là. Je vous dis, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Ich sage euch, es passieren Dinge. Wow. Tu veux le chanter? Alléluia. Là où on vous a enterré, là, Dieu vous sort de là. Da wo man euch eingegraben hat, des sorciers t'ont attaqué. Des sorciers veulent te bloquer. Le Seigneur te dit aujourd'hui, die Zauberer wollen dich blockieren. C'est la réponse à tes prières au nom de Yeshua. Aber heute erhältst du eine Antwort auf deine Gebete. Il y a une femme ici qui a fait un vœu. Il y a une femme ici qui veut concevoir. Dieu m'a montré ça là. Une femme qui demande, qui hier, ist ein, hier ist eine Frau, die einen Wunsch geäußert hat. Eine Frau, die empfangen möchte. Ton enfant, là, Dieu dit, tu l'as déjà. Das ton Kind, enfant, das du gerne reçu möchtest, déjà. Dein Wunschkind, ton enfant, tu l'as déjà reçu. Ton enfant, tu l'as déjà reçu. Du hast dein Kind voici schon la main de Dieu sur toi. Oh, les femmes stériles ici. Gottes ist auf dir. Dieu ouvre leur matrice. Dieu ouvre leur matrice. C'est magnifique, c'est magnifique. Der Herr öffnet deine la stérilité Bauch. S'en va. Die Sterilität muss gehen. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Verlass sie im Namen quitte-la Jésus maintenant. De Nazareth. Verlass sie jetzt. Sors d'elle. Sors d'elle. Verlass sie. Sors d'elle. Verlass sie. Quitte-la au nom de Jésus de Nazareth. Geh aus ihr heraus. Dieu est venu jusqu'en Allemagne pour la libérer. Du parmi les enfants que vous aurez, il y aura des jumeaux. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Du wirst Zwillinge haben. Au nom de Yeshua. Du wirst Zwillinge haben im Namen Jesu. Oh! My God. Il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Là. C'est magnifique. Es ist etwas hier. Es geschieht etwas hier. Ah. J'aime ça. Quand il est béni, là, le Seigneur, là. Oh my God. Oh! Allez acheter des berceaux là. Allez acheter des berceaux. Là. Prenez les enfants, les vêtements pour les bébés là. Achetez tout ça. Là. Préparez la chambre. Tout. Kauf deine Liege und bereitet das tu vas voir ça, jeune homme. Vor, tu vas voir ça, mon frère, au nom de Yeshua. Im Namen Yeshua. C'est la femme que Dieu t'a donnée. C'est la. Dieu es dit, ist, c'est or, alléluia. Oh. Oh. Ich quelqu'un lobe ici, dich, Herr. Ich quelqu'un lobe ici. Dich, Herr. Cette association que Dieu t'a demandé de créer, il faut la créer rapidement. Diese Assoziation, diesen Verein, den Gott dir verheißen hat, il faut la déclarer. Du il faut la déclarer, mon enfant. Gründen. Il faut la déclarer, c'est le temps, c'est l'heure. Es ist c'est die l'heure. Zeit. Es ist die, c'est l'heure. Die Zeit ist da. Du sollst diesen Verein gründen. Dieu console ton âme, ma sœur. Gott tröstet deine le Seele, Seigneur meine Schwester. A vu des larmes. Der le Herr Seigneur hat deine Tränen gesehen. Tes combats. Deine Kämpfe. Le Seigneur va visiter ta famille bientôt, il te dit. Der Herr wird deine un vent de réveil bald va souffler besuchen. Dans ta famille. Ein Wind der Erweckung in deiner Familie. Il t'a fait des promesses. Il te dit, je veux les réaliser, je veux les accomplir. Er hat dir Versprechen gemacht les und er paroles sagt que tu as reçues, ich werde sie auch les erfüllen. Songes que tu as reçus, Dieu t'ouvre encore l'esprit pour recevoir plusieurs hast, visions. Das Wort, das du erhalten hast, die Visionen, die du gesehen hast. Il fait de toi la mère de beaucoup d'enfants. Er wird aus dir eine Mutter vieler Kinder machen. Tu as beaucoup conseillé les jeunes filles.
de plus en plus. Ça, c'est ton ministère. Dein Dienst ist es, viele junge Frauen, viele Mädchen au nom de Joshua. Zu empfangen. Dieu te dit, tu es comme Tabitha dans mon royaume. Tu vas beaucoup aider les chrétiens de plus en plus. Et ça, c'est ton appel. Aider les autres. Du nourrir les autres. Christinnen helfen. Donner des conseils aux autres. Oh. Quelqu'un ici est guéri de la constipation ici là. Jemand ist hier von Verstopfung geheilt. Verstopfung. Fini au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Verstopfung ist vorbei. Et toi? On acclame le Seigneur de gloire. Alléluia. Magnifique le Seigneur. Zamba salaka bika moi. Tu pourras le chanter tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Il est là pour. Danke, Herr. À Stuttgart, ici, là, le feu va prendre. Im Stuttgart, hier, wird das Feuer entfacht. J'ai vu le Seigneur avec une clé fermer les bâtiments d'église ici. Là. Der Herr kommt mit einem Schlüssel. Mit einem Schlüssel und schließt die Kirchentüren zu. Die Gebäude schließt er zu. Tu vas être débordé. Vous allez déborder de nouveau ici là, déborder. Ihr werdet überwältigt sein. C'est ce que l'esprit me fait entendre. Das sagt der Geist mir. Mm-hmm. Ihr werdet überflutet sein. Oh, alléluia. Il y a comme des langues de feu qui se posent sur les gens qui ont le don de prophétie. Es ist wie Feuerzungen auf den Menschen, die Prophetie haben. Des langues s'ouvrent. Ce délit. Feuerzungen. Ce délit. Ce délit. Ce délit. Dieu donne de parler en langue à certains ici qui ne parlent pas encore en langue. Der Herr lernt manchen il me montre ça. Die vorher noch nicht in Zungen gesprochen il délit vos langues. Der Herr befreit die Zungen. Vous voyez ça? Il y en a qui ne parlaient pas en langue. Dieu leur donne de parler en langue. Là, là, là. Manche konnten noch nicht in Zungen sprechen. Der Herr gibt ihnen diese Gabe. Au nom de Yeshua. Im Namen Yeshua. Au nom de Yeshua. Im Namen Yeshua. Oh Père, tu es magnifique. Vater, du bist wunderbar. Wow. Wow. Problème d'estomac ici que Dieu guérit là. Au nom de Yeshua. Oh Dieu de gloire. Oh, alléluia. Estomac, digestion difficile. Que Dieu le guérisse. Magen ja. Mit schwerer Verdauung. Gott heilt ihn. Tu crois qu'il peut te guérir, le Seigneur? Mm-hmm. Tu en souffres depuis combien de temps? Depuis combien de temps tu as ce problème? 2 ans. Bien. Seit tu pensais que le Seigneur peut la guérir, là? Seit 2 Jahren hat sie dieses Problem. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Ah, c'est bon, on peut y aller. Prions pour elle, s'il vous plaît. Quitte ce corps maintenant, au nom de Yeshua. Quitte ce corps. Sors de là. Quitte-la. Quitte ma soeur. Voilà. Sors d'elle. Sors d'elle. Verschwinde aus ihr. Problème avec ce genou. Probleme mit dem rechten Knie. Le genou droit. Mit dem rechten Knie. Si tu as une douleur là, là tout de suite, là, faut venir ici. Wenn du hier gerade einen Schmerz verspürst. Genou droit d'abord. Dann komm. C'est bon. C'est fini, ma sœur. Oh, Yeshua. Depuis combien de temps? Depuis 2 ans. Seit 2 Jahren tut das Knie weh. Pensez que le Seigneur peut le guérir là? Glaubt ihr, dass der Herr ihn heilen kann? Qui le croit, frères et sœurs? Vous le croyez ici là, vous qui êtes dehors là? Oh, Dieu vous aime beaucoup là, au nom de Yeshua, alléluia, gloire à Dieu. Gott liebt euch sehr, glaubt ihr es auch? Tu vas beaucoup voyager. Du wirst viel reisen. Beaucoup voyager dans le pays pauvre. Viel in arme Länder reisen. Je te vois construire.
construire. Du wirst bauen. Le Seigneur va ouvrir les portes pour toi afin de construire. Der Herr wird dir die Türen öffnen, was zu construire bauen. Construire comme des maisons, tout ça là, au nom de Yeshua. Häuser bauen und so weiter. Alléluia. Là, t'as mal là? Depuis deux ans. Wow, das deux rechte ans. Knie. Seit zwei Jahren. Tu crois que le Seigneur peut? Ah ben, alléluia, gloire Glaubt à Dieu. Glaubt ihr, dass der Herr ihn heilen kann? Jesus, alléluia. Je prends ce mal. Au nom de Yeshua, on le met dehors. Amen. Wir nehmen diese Krankheit Jesus. Weg im Namen Jesu, schmeißen wir sie comme raus. Ça, là, suis-moi, là, comme ça, Mach là, so. Jesus, yes. Oh, alléluia. Jesus. Ça a disparu. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. C'est fini, c'est réglé. Jesus. Es ist geregelt. Le mal a dit non, moi je m'en vais. Das Weh hat gesagt, nein, ich gehe lieber. Jésus se déplace avec son hôpital. Wir sind heute im Krankenhaus hier. Combien de temps? 8 mois. Seit wann? 8 Monate lang. Tu peux pas t'abaisser. Kannst du dich nicht niederknien? Courber tout ça là, te... Möchtest du dich gerne bücken oder wieder niederknien können? Tout ça, c'est pas normal quand même là. Comment quelqu'un qui a créé, mes amis, parfaitement ne puisse plus... C'est pas normal quand même, là, mes amis. Là. Ah ben, le Seigneur va enlever tout ça. Der Herr wird das wegnehmen. Il prend ce mal. Il prend ce mal. Jésus-Christ de Nazareth. Il dit le mal, viens ici au nom de Jésus. Là-bas. Jesus Christ. Oh, Jesus. Suis-moi derrière. Folge mir. Alléluia. Allez, c'est bon. Comment je te sens là? Ah, Jesus. Oh, Dieu, c'est gratuit tout ça là. C'est bon. Amen. Oh là là, là, ouais, effectivement, là, ouais. Depuis combien de temps tu as ça? Oh, un an que tu as ça? Seit einem Jahr tut dir der Knie weh. Qu'est-ce qui s'est passé? Ich habe einen Unfall gehabt. Ein Accident. De voiture, de... De voiture. Alléluia. Tu peux chanter avec moi, hein? Alléluia. Cette jambe, voilà, quitte-la comme ça. Allez, sors d'elle au nom de Jésus de Nazareth. Sors d'elle, comme ça, voilà, sors. Raus. Sors d'elle. Raus von ihr. Sors d'elle. Raus. Verlasse im Namen Jesu. Levez nos mains pour elle, prions. Et une onction pour la guérir au nom de Yeshua. Alléluia, alléluia. Heilung, Salbung, Salbung für Heilung. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jésus de Nazareth. Oh Jesus Christus. Nous bénissons ton nom pour ta grâce, Seigneur mon Dieu. Wir brauchen deine Gnade. Herr Gott. Oh. Bouge là une onction sur toi là. Oh Lord Jesus. Oh, tu veux enlever ça là? Tu veux marcher ça? Tu penses que tu peux?
Tu penses que tu peux? Jesus Christ, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua. Für Gott in meinem Leben. Halleluja. Halleluja. Amen. Chantons Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Tikanga ina yembela yo. Zambe nanga. Amen. J'aime Jésus, Amen. L'amour de ma vie. Amen. J'aime Jésus, oh. Amen. Amen. Jésus m'a sauvé, Amen. Jésus m'a guéri. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Seigneur, Jésus. Qui guérit? Jésus. Oh, un an de captivité. En douceur, ça sort. Du tac au tac avec Jésus. On peut s'asseoir. Von jetzt auf null. Von null auf jetzt. C'est l'hôpital. Hier ist das Krankenhaus. La consultation est gratuite. Der Krankenhausbesuch ist umsonst. Qu'est-ce qui se passe ici? Was ist mit dir? Ich hatte einen sehr schweren Unfall. J'ai eu un accident grave. Ouais. Wow. 25 Meter gefallen und hab am Wirbelsäule. Elle est tombée de 20 mètres de hauteur, 25 mètres, et elle a eu le colon vertébral. Kann ich richtig laufen? Et elle ne peut pas. Hab sehr starke Nervenschmerzen und Rückenschmerzen. Et les nerfs lui font mal et le dos lui fait mal beaucoup. La colonne vertébrale. Oh Seigneur, une jeune fille comme ça. Ein junges Mädchen. Seigneur mon Dieu. Herr mein Gott. Oh Seigneur. Herr. Oh Seigneur. Herr. Dieu peut lui faire grâce. Amen. Gott möchte dir Gnade schenken. Elle a des fers là dans le corps. Hast du noch Eisen drin? Okay. Ja. Jesus Christ, Halleluja. Oh, Halleluja. Oh. Si je me tais et j'apprendrai à écouter, oh Seigneur, la voix
die Stimme des guten Hirten. Oh, Seigneur. Pour ma liberté. Il faut une... Est-ce qu'il y a l'huile d'onction ici? Haben wir Salbungsöl hier? Antonio, qui connaît Antonio ici là? Est-ce qu'il y a Antonio ici là? Gibt's hier einen Anton? Antonio. Qui connaît Antonio ici? Wer kennt einen c'est Antonio? Qui? Non? Ok. On veut lui envoyer une lessemie. Hein? Oh, alléluia. Qu'une sœur applique de l'huile d'onction. Juste sur les deux genoux là, quelque part. Là. D'accord? Eine Schwester soll ihr Salböl auf die Beine tun. Ils vont enlever les fers. Da hinten. D'accord? Ok. Mm-hmm. Sur les deux genoux. Auf beide Beine. Oh, alléluia. Après, ça va aller. Gloire à Dieu. Voilà. Und es wird besser allez. Werden. Oh, c'est sur le genou droit là? C'est d'abord les genoux. Erstmal die Knie. Alle, die Knieleiden haben. Il y a une onction pour les genoux aujourd'hui. D'abord. Heute habe ich eine Salbung für Knie. Genou? Lequel? Droit. Welches Knie? On va chercher la maladie là, le mal là. Hein? Wir suchen jetzt mal, wo die Krankheit sitzt. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Marche là-bas, tourne là-bas, tu reviens. Geh mal darum. Oh Lord my God, oh Lord my God, oh Lord my God, hallelujah. Jesus, quitte ce corps là, Yeshua. Sors, quitte ma soeur. Quitte son corps là, Yeshua. Sors de ce corps, Yeshua. Sors! Verlasse voilà. Diesen Körper. Sors de là! C'est une flèche. C'est une flèche. Ein Pfeil. Es ist ein c'est une Pfeil. Flèche qu'on a balancée contre elle. Ein Pfeil. Aidez-la. Tenez-la bien comme il faut. C'est un démon, dir. Il va partir. Sors de ce genou là! Oh, verlasse dieses Knie. On peut acclamer le Seigneur, mes amis, là. Hey! Au nom de... Vous pouvez vous asseoir, là. Vous pouvez vous asseoir, il n'y a pas de souci. Et celle-là, là, celle-là, par terre, là, on a Yeshua, une onction, là. Ouh! Jesus. Quand le Seigneur guérit, c'est comme ça. Wenn der Herr heilt, dann ist es so. Il y a une flèche qui est... Quand vous la voyez normalement, quand si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir une flèche qui sort comme ça. Ah oui. Ihr seht sie ganz normal, aber, wenn, aber geistlich gesehen werdet ihr einen Pfeil sehen, der in ihrem Knie steckt. C'est une femme qui a lancé cette flèche. Es ist eine Frau, oh, non, Jésus. Die diesen Pfeil abgeschossen oh, non, Jésus. Hat. J'enlève la flèche au nom de Jésus. Ich nehme diesen Pfeil raus. Voilà. C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, ah, ah. Alléluia, Jesus Christ, oh c'est beau, quand mon Dieu guérit comme ça là c'est magnifique. Wenn, wenn mein Gott so heilt, dann ist es wunderbar. Ah oui, ça c'est beau ça, c'est réglé. Es ist geregelt. Pareil. Ton genou, ça chauffe? Oh, depuis quand ça chauffe? Dieses Knie ist, wird so heiß. Un an. Seit einem Jahr. Oh. C'est 6 ans que tu as ça. Ouh. Maintenant, seit 6 Jahren hatte das am Knie und jetzt ist es auf die, in die Hüfte gewandert. Prier le Seigneur, ça va? Oh, alléluia, gloire à Dieu. Dieu est bon. Toi, tu sors de loin là, tu es essoufflé en même temps. Hein? Ça chauffe plus depuis 6 ans. Là, seit 6 Jahren wird das Knie heiß. Vous pensez que le Seigneur peut vraiment enlever cette chaleur là? Glaubt ihr, dass der Herr diese Hitze wegnehmen kann? Oh Lord. Oh Lord, la 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 la.
c'est pas moi, là. C'est rien qui vous cause. Oh, ah. Ah bon, c'est passé, oui, c'est bon. Alléluia. C'est pareil, là. Deux opérations. Oh, deux opérations. Zwei Operationen. Donnez-moi la chaise, là, mon frère, William. On va prendre ces deux opérations, on va les jeter dehors. Wir werden diese zwei Operationen nehmen und rausschmeißen. Und sie ersetzen durch eine einzige Operation. Une femme a pleuré beaucoup pour son mari ici. Eine Frau hat sehr für ihren Mann geweint hier. Ne pleure plus. Weine nicht mehr. Hein? C'est toi? Viens. C'est fini. Oh, es ist vorbei. Jesus. Fini, c'est réglé. C'est bon. Es ist vorbei. Tu penses que le Seigneur peut te guérir? Glaubst du, dass der Herr dich heilen kann? Vous le croyez aussi là? Glaubt es auch? Je vous sens fatigué. Vous avez faim? Seid ihr hungrig oder müde? Qui est encouragé par ce que tu fais? Wer ist ermutigt dadurch, was Gott tut? Amen. Amen. Oh Lord. Lève-toi, marche. Steh auf und geh. Jesus Christ. Le Seigneur n'a pas changé. Der Herr hat sich nicht geändert. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Je veux chanter pour Jésus. Il est le même. Dans ma vie de tous les jours. Il est le même. Ma vie lui appartient. Jésus, dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Ma vie lui appartient. Oh, mais avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Naïembe la Yesu, il est le roi. Mopalinanga, il est le roi. Chante dans ta langue. Je veux chanter pour mon Dieu. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ta vie lui appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emma, Emma, Emmanuel est là. Emma, 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 Emmanuel est là. Emmanuel est là, Emma, Emma, Emma. Emmanuel est là. Amen. Amen. Voilà, c'est bon. Alléluia. Comment tu te sens là? Alléluia. Ah. Merci Jésus. Ah, quelle opération. Je suis guéri. Ah, ben voilà. Oh. Alléluia. Oh. Vous vous rendez compte? Tout est gratuit. Alles ist umsonst. Hein? Alles ist gratis. Tu veux parler? Ah ben, ich möchte gerne was sagen. On te donne le micro, il n'y a pas de problème. J'ai un grand problème. Ich habe große Probleme. Avec mon enfant. D'accord. Mit meinem Kind. Mon fils aîné. D'accord. Meinem großen Sohn. On devait venir avec
plus aujourd'hui. Heute sollte ich mit ihm kommen. Mais sa maman n'a pas voulu. D'accord. Aber seine Mama wollte nicht. Elle a vu que elle ne croit pas tout ça. Sie glaubt daran nicht. Et les enfants aussi sont infiltrés à ça. Und die Kinder machen es ihr gleich. J'ai supplié l'enfant qu'on vienne ensemble, mais ich habe zum Kind gesagt, bitte komm mit. Il est malade, oui. Er ist krank. Okay. Tu crois que Dieu peut le guérir? Est-ce que tu le crois? Je le crois. Alors, glaubst du, dass Gott ihn heilen kann? Est-ce que vous croyez que le Seigneur peut? Glaubt es auch. La maladie vient de quitter à l'instant même cet enfant. C'est réglé. C'est bon. Alléluia. 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 Jesus. Alléluia. Tu vas témoigner partout. Du wirst überall Zeugnis abgeben. Une femme a témoigné hier à Paris. Eine Frau hat in Paris Zeugnis gegeben. Elle est venue de loin pour son fils ou sa fille qui était malade. Wir sollten son für seinen Sohn, der verrückt, der mental krank war. Elle-même, elle a reçu la délivrance. Sie selbst hat Befreiung erhalten. Et son enfant qui ne voulait pas venir est complètement guéri de la folie. Und sein ihr Kind complètement. Ihr Kind wollte auch nicht mitkommen und ist komplett von der mentalen Behinderung geheilt worden. Qui peut faire ça? Jésus. Wer kann das machen? Jesus. Moi, j'ai quel médicament là? Rien. Je suis zéro de la poussière. Tu es mieux que moi. Alle Medikamente sind nur Staub. Mais le nom de Jésus. Aber der Name Jesus. Est le médicament le plus terrible. Ist das le plus efficace. Das wirksamste aller Instrumente. Aller Medikamente. Ceux qui ont foi en Dieu, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre guérison au nom de Jésus de Nazareth. Alle, die Glauben an Gott haben, werden heute ihre Heilung empfangen. Quelqu'un ici, les intestins. Les intestins, tu souffres des intestins depuis des années. Quelqu'un jemand, ici peut me montrer ça. Jemand mit Darmproblemen, Innereien. Les intestins. Un ange, c'est toi? Hein? On acclame le Seigneur de gloire. Viens ici. C'est un démon. Das ist ein Dämon. Qui a trois têtes, un serpent. Der drei, qui mange tes intestins. Der drei sors, Köpfe hat. Au nom de Jésus. Eine Schlange. Sors au nom de Jésus. Verlass tu vas quitter cette femme. Du wirst diese Frau verlassen. Au nom de Yeshua. Du wirst ihre Innereien verlassen. Oh, vous croyez que le Seigneur peut faire quelque chose pour elle, mes amis là? Glaubt ihr, dass der Herr was für sie tun kann? Sors de là! Oh. Allez, sors, allez, sors, allez, sors, allez, sors. Verschwinde, verschwinde, verschwinde. Allez, sors. Verschwinde. C'est fini, c'est réglé. Es ist geregelt. Les intestins d'un enfant de 15 ans. C'est bon. Amen. Nous avons des organes de rechange au ciel. Wir haben ein Organe, die für den Himmel gewechselt werden müssen. Setz dich. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Vous inquiétez pas. Chacun aura sa part. Es wird schon, es wird schon. Le genou là, c'est pareil. Depuis combien de temps? 2 ans. Surtout la nuit. Tu crois que c'est Dieu peut faire quelque chose pour toi? Lève-toi. Seit 2 Jahren habe ich in der Nacht Schmerzen. Ça va? Depuis combien de temps là? Wow. 1 Jahr, 4 Monate. Oh. Ich kann nicht gehen, so weh tut mir das. Écoute, le Seigneur non seulement te guérit là, mais tu vas travailler. Le Seigneur va ouvrir des portes pour toi pour faire de la livraison. Une compagnie, une société de livraison. Der Herr wird nicht nur dein Knie heilen, sondern der Herr wird für dich eine Tür öffnen, dass du so einen Lieferservice hast. Chaque patient, il y a un traitement qui lui est approprié. Der Herr geht bei jedem anders vor, individuell. Oh Lord, my God. Jésus de Nazareth, il est comme ça, Jésus de Nazareth. Il est bon, n'est-ce pas que Jésus? So ist Jesus. Qui est amoureux de Jésus ici? Il est beau, Jésus. Er ist verliebt in Jesus. Il est spécialement, particulièrement beau. Er ist speziell, ganz besonders schön. Parle comment
Ah ben c'est parfait. C'est la même onction là. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Jesus. Tu es marié? Bist du verheiratet? À la mairie ici. Ok. Bist du à la mairie là-bas en Afrique ou juste à la famille? Bist du im Standesamt verheiratet? C'est ce que Dieu me disait. Der Herr sagte mir das. D'accord. Il n'y a que la famille, pas la mairie. Voilà. Mit Familie ist er verheiratet, aber aussi. Nicht vor dem Standesamt. Hein? Tu vas à la mairie, tu sors de là. Du gehst zum Standesamt, heiratest und dann wird alles vorbei sein. Mais quand il parle en même temps, hein, le traitement pour lui, c'est à la mairie. Il finalise les choses à la mairie. Là. C'est là qui vient. Depuis combien de temps? Seit wann? J'ai eu le douleur minuscule. 3 ans. Ok, tu es d'Abidjan? Vor 3 Jahren. Tu es où, Abidjan? Togo. Ok, ich komme aus Togo. Là, c'est bien ça. Tu vas aller beaucoup en Côte d'Ivoire alors. Hein? Alléluia. L'opération, c'est ça. Ah, toi ça, c'est le genou gauche. Genou gauche. Et ça aussi. Ici, d'abord, c'est le genou glissé, droit. Oui, mais comme deux, tu as été plus violente. Ce sont les violents qui s'en emparent. Wir haben zwar diejenigen mit rechten Knie aufgerufen, aber du, du möchtest gewaltsam deine Heilung erzwingen. Der Herr wird dich segnen. Je veux la bénir au sein du commerce. Der Herr möchte sie segnen mit, möchte, dass sie eine Händlerin wird. Puissance du Vodou. Sors de ce corps, non? Macht des Voodoo, verlass diesen Körper. Maintenant. Jetzt. Non, Jesus. Vous croyez que le Im Namen Jesu. Bouge tes jambes, les deux jambes, bouge-les maintenant. Die zwei voilà. Beine. Tu bewegen. Penses que c'est bon? Lève-toi, c'est bon. Wenn du glaubst, voilà. Dass es gut ist, dann steh auf. Voilà. Tu retrouves tes 20 ans là. C'est bon, non, Yeshua. Du wirst wieder 20 Jahre alt. Comment tu te sens là? Hein? Hein? Ah ben oui, alléluia. Magnifique, ben, c'est bien, c'est réglé. Tu vois, t'as le sourire, tu commences à briller. Il faut plus pleurer, c'est fini, tout ça là. Eh ben, tu fängst an zu glänzen. Alléluia. Amen. La sécurité sociale va vous coûter cher. Hein? Nous avons une sécurité spirituelle. Hein? Wir haben eine, spirituelle Sicherheit. Versicherung. Quelqu'un ici va avoir l'appartement qu'il a demandé au Seigneur. De ce côté-ci, là. Hein? Tu l'as déjà là. Tu vois comment Dieu te connaît là. Die Wohnung, die Wohnung, die du möchtest, der Herr hat sie dir schon gegeben. Avec plusieurs chambres. Pour recevoir de la famille. Comme elle a demandé au Seigneur. Recevoir les missionnaires. Si. Héberger les frères et sœurs. Le Yeshua. Alléluia. Magnifique. Pour la famille, les parents, là, Dieu a entendu ta prière aussi là. Oh, alléluia. Der Herr hat auch dein Gebet für die Familie, für die Eltern gehört. Oh, le permis, quelqu'un ici, c'est bon, c'est réglé le permis là. Oh, alléluia. Sucht hier jemand den Führerschein, möchte jemand den Führerschein. Das ist auch réglé. Comme tu l'as demandé au Père. Ist geregelt. Oh, il y a des choses ici là. Il y a des choses dans cette salle ici là, mes amis là. Tu penses? Genou droit, combien de temps de tu souffres de ça? 5 ans. Seit 5 Jahren tut das rechte Knie weh. Quand j'entends ça honnêtement là, je me dis oulé. Mais là-haut là, tout est accompli. Da oben ist alles. Pour elle, c'est vous qui allez prier. Levez les mains, priez seulement pour elle. Ich möchte, dass ihr die Hände ausstreckt und für sie betet. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Merci pour la guérison, le miracle. Lève-toi. Marche. Steh auf. Danke für die Heilung. Ici pour prendre ces maladies-là et jeter ça. Gott schickt Engel her, um all diese Krankheiten wegzunehmen. Dehors. Raus. Oh. Oh. Oh, oui. Ils ont fait des réunions contre toi pour t'éteindre, pour te tuer, pour te détruire. Les sorciers de cette assemblée. Le Seigneur dit, je te protège. Tu es dans ma protection. Toute ta famille. Deine ganze Familie steht aber unter meinem Schutz, sagt der Herr. Ah? Der Herr hat mir das offenbart. Pasteur, tous en train de dire tout ça là, tout le monde. Mais le Seigneur. Pastor, Diakone, alle haben sich gegen dich versammelt. C'est pas fini. Oh, Alléluia. Ehre sei dem Herrn. Alléluia. Ehre sei dem Herrn. Magnifique le Seigneur. Le Seigneur est en train de te faire boire de l'eau. Der Herr. Ta voix s'ouvre encore. Der Herr macht dich Wasser trinken, damit du eine Stimme bekommst, noch mehr Stimme. Tu vas avoir tes diplômes. Du wirst deine Diplome haben, deine Abschlussprüfungen au nom de Yeshua. Im Namen Jesu. Tu vas soigner les gens. Du wirst Leute heilen, médecin, wie au nom de Yeshua. Mediziner. Oh, Jesus Christ. Venez, je vais toucher juste vos genoux, là, vous allez bouger ici vous-même. Là. Genou droit là. C'est bon, bouge, commence à tourner là-bas. Ah, toi, genou gauche, on a dit genou droit. Mais comme tu es venu, c'est pas. Hein? Vous avez la foi. Allez, au nom de Jésus. Dans ça, du sang. Qui croit que le Seigneur peut guérir ce frère? Er hat Blutkrebs. Tu viens de Strasbourg? Strasbourg. Ce cancer de sang n'aurait pas dû se retrouver là. Amen. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Il va repartir faire des examens. Il va être tellement choqué. Et le médecin va ouvrir la bouche comme ça. Regardez. Er wird zurückgehen und wird ensuite, si tu peux, viens donner gloire au Seigneur à Paris, afin qu'ensemble nous puissions louer Dieu. Ok. Qui croit que c'est possible? Wer glaubt, dass es möglich ist? Dites, cancer de sang. Au nom de Jésus-Christ. Im Namen Jesu Christi. Nous te chassons de ce corps. Wir verjagen dich. Sors de ce corps. Verschwinde aus diesem Körper. Verschwinde aus diesem Körper. Sors de ce corps. Verschwinde aus diesem Körper. Maintenant. Maintenant. Jetzt. Maintenant. Jetzt. Sors de ce corps. Jetzt. Verschwinde aus diesem Körper. Im Namen Jesu Christi. Sors là. Ça sort. Je vous dis, ça sort. Jésus-Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Le cancer est un nom. Amen. Il y a une poubelle ici ou pas? Est-ce qu'il y a une poubelle ici? Einen Abfalleimer? Donnez-moi une poubelle. Oder... Prophétiquement, on prend ce sang. Wir nehmen prophetisch einen Abfalleimer. Au nom de Jésus. Dedans. Au nom de Jésus. Dedans. Amen, Jésus. Rein. Du sang neuf. Bon, neues Blut. Va faire des examens. Voilà, que Dieu soit béni. Geh und lass dich nochmal untersuchen. Vous pouvez parler créole? Ah, bon Dieu, bénis autres. Alléluia. Tout va bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Venez. Un enfant souffre de l'asthme ici là. Oh Lord my God. L'asthme. Quel genou? Un kind hat asthma. C'est pour ton fils? Mm-hmm. Maladie de peau depuis 4 ans. On a prié pour une jeune fille. Wir haben für ein junges Mädchen. Très bien par là. Eh bien, le Seigneur l'a guéri. In Guinea. Allô. Gebetet. Oh, eh ben c'est fini, allô, alléluia, gloire à Dieu. C'est fini, c'est bon. Es ist schon vorbei. Alléluia, ehre sei Gott. C'est bon.
Tu es marié? Il faut le faire. Du musst heiraten. Merci. Alléluia. C'est le genou droit. L'arthrose. Arthrose. Très mal la nuit. Oh. Le genou gauche depuis le mois de janvier. La santé. Jésus peut nous guérir. Amen. Levons nos mains pour notre frère. Oh. Wir beten für unseren Bruder. Fini. Fini. Es ist vorbei. Oh, Jesus. Avant le mois de décembre, Dieu va te visiter. Im Monat Dezember wird der Herr dich. Il y a eu tellement la sorcellerie et le Seigneur va tout dévoiler. Il va te montrer des choses qui vont te choquer. In deiner Familie gibt es so viel Hexerei. Comment Dieu va te justifier, mon Yeshua. Aber im Monat Dezember wird der Herr alles umdrehen. Tu as assez pleuré. Maintenant, c'est le temps de la justification. Du hast so sehr geweint und jetzt ist die Zeit der Gerechtigkeit da. C'est bon. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça fait plaisir de te revoir. Venez, 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 mes amis. Genou droit. Genou droit, gauche. Gauche. Linkes Knie. Mon frère William touche seulement ce genou-là. C'est bon, c'est réglé. Voilà, c'est bon. Kiste. Oh. Lève ta main, s'il te plaît. Quitte ma soeur au nom de Yeshua. Quitte ma soeur au nom de Yeshua. Tu vas quitter son ventre au nom de Yeshua. Lâche! Im Namen Jesu wirst du ihren Bauch verlassen. C'est bon, c'est réglé. C'est bon. Tu sais. C'est bon. C'est bon. Genou. Toujours. Dieu me dit de te dire ceci. Par rapport à ça. Il y a un autre enfant qui arrive. Tu kriegst noch ein Kind. Après ça, tu vas voir toi-même. Nach diesem Kind wirst du selber sehen. Il me demande de vous poser la question. Vous voulez fille, garçon, vous voulez jumeaux, quoi? La demande, c'est pour la commande. Der Herr fragt euch, was wollt ihr haben, jungen Mädchen? On acclame le Seigneur Antonio. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, Antonio! Mon frère, on s'est jamais vu, hein? D'accord. Wir haben uns nie gesehen. Je vois beaucoup de fumée autour de toi. Ich sehe viel Rauch dich herum. Je vois de la fumée autour de toi. Viel Rauch dich herum. Il faut veiller. D'accord? Pass auf. Comment veiller, rester dans la prière. Pass auf, bleib am Beten. Parce que l'ennemi veut vraiment détruire toute ta vie. Là. Denn der Feind möchte dein Parfum zerstören. D'accord? Je te garde. Der Herr bewahre dich. Im Namen Jesu. Tu es baptisé, mon frère Antonio? Tu n'es pas encore baptisé? Bist du getauft? Hein? Par immersion? Non, pas encore. Ok, ça t'est déjà arrivé de fumer? Hein? Tu fumes, hein? Tu fumes en ce moment. Rauchst du? Ok. Tu as ton paquet de cigarettes là? Donne-le-moi, s'il te plaît. Hast du ein Päckchen Zigaretten dabei? Gib sie mir. Fini! Amen! Amen. Alléluia! Alléluia! Qui peut parler comme ça? Wer kann so sprechen? Il dit, appelle-moi Antonio là. Il amène son paquet de clopes. Parce qu'on veut le tuer par un cancer de poumon. Man möchte ihn nämlich voilà. Durch Lungenkrebs töten. Rocken. Rauchen. Erot, je sais pas quoi, das Risiko zu erblinden. Hein? Non, fumer tue. Wow. Amen. Poubelle. Voilà. S'il faut parler en allemand pour vous sauver au nom de Jésus-Christ, on va le faire. Amen.
peux y aller, alléluia, gloire à Dieu. Merci ma soeur. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, alléluia. Au roi qui vit toujours, que Jésus le temps de souffrance. Le Seigneur peut faire quelque chose pour elle, n'est-ce pas? Ce corps au nom de Yeshua. Maintenant, venez jouer simplement vous toucher, après ça va aller. Avec les anges, dans la merveille des rachetés. Venez au nom de Yeshua. Alléluia, ça va, ça fait plaisir. Chantons à l'unisson. Oh, aidez-les, l'onction là, mes amis là. Alléluia. Oh, alléluia. Saint-Saint à ton Jesus. Nom, Saint, oh, Saint, Saint et l'Éternel des armées, armées, tu Amen. Es saint, yes, saint. Oh, reste là, tu vas témoigner tout à l'heure. L'honneur oh, et la gloire alléluia. T'appartient gloire à, Dieu. À jamais, à jamais. Oh. Alléluia, gloire à Dieu. Tu es saint, c'est ton nom. Je veux te poser une question. Ich möchte eine Frage stellen. Quand tu m'as approché, j'ai entendu Mama ma passa en Lingala. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme je ne sais pas pourquoi. Wenn ich, als ich dich genähert habe, habe ich gehört Mama ma passa. Je crois qu'il y a une bénédiction par rapport aux jumeaux qui arrivent dans la famille. Je ne sais pas comment, je ne sais pas par qui, mais il y a une double bénédiction qui arrive. Es kommen Zwillinge in die Familie. Ich weiß nicht durch wen. Prépare-toi. Bereite dich vor. Mm-hmm. Merci. Danke. Ce chant-là, c'est toi qui l'as reçu? J'ai aussi l'autre que j'ai reçu. Ah ben, on peut y aller. Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique. Saint, l'Éternel, des armées, des armées, tu es saint, tu es saint, l'honneur et la gloire, la gloire t'appartient, à jamais, tu es saint, Saint-Étienne à ton nom, Saint, Saint, l'Éternel des armées, armées, Saint, Saint, l'honneur et la gloire, la gloire appartient à jamais, tu es saint. Santo na baje to koyemba Alleluia Sentete a ton nom Saint Saint et l'Éternel et des armées de Dieu armées tu es saint tu es saint l'honneur et la gloire et la gloire la gloire
swa bomo na se tatola sansambe Hallelujah.